Attendez. Ouais, la webcam a déjà fait sa vilaine. Ah, je fais une gueule! Ah, la tête que je tire! Pas content! J'ai déjà caché. J'ai fait la tronche. Bah, attendez. Pourtant, je suis content de vous retrouver. On est samedi matin. Ah, j'espère qu'elle va pas faire trop ça. Activer le... Oh la vache. Ok. Oui, je pense que Raph va se faire en 16/9. J'ai même pas consulté mon Discord. Bonjour tout le monde. Bonjour Tota. Bonjour Nash. Bonjour petit Seb. Attendez, j'ai même pas regardé mon Discord. Vous m'avez peut-être dit des trucs. Ah c'est bien, Torota émet de son côté son point de vue, ça c'est très bien, n'hésitez pas à aller voir Torota. Faudrait que je te fasse un shootdown d'ailleurs. Déjà je vais commencer par des petits cœurs à tout le monde qui m'a salué dans le Discord, vous êtes des amours. Merci, bonjour tout le monde. Oui pardon, petit Seb, tu m'as envoyé un message, je t'ai même pas lu. Ah bah ça va, tu me dis que tu as soin de t'envoyer, il est à 8h10, moi il est 9h30, tu vois, je prends mon antenne seulement à ce moment-là. Oui, ça va bien, merci. Alors moi par contre, j'ai déjà préparé mon raft. Hein. J'ai fait 4 lancers de crochet en plastoc hier soir pour m'assurer que la technique est bonne. J'arrive dans la vocale, attendez. Parce que vous êtes des amours à m'écrire quasiment tous les jours. Ah oui, bien vu, oui, il a raison. Oui. Tac, mais ça, je reverrai ça dans la coulisse plus tard, ça ne bouge pas. Bon, et moi, je m'en bête dès le matin. Attention, vous y entendez sur mon direct, et puis on s'entend sur le direct de Torota normalement. Comment ça va, les garçons? Bonjour tout le monde. Mais ça va bien, et toi? Ça va. Merci. C'est un samedi matin douceur pour moi. Vous voyez, je démarre tout doucement. Qui c'est qui héberge le serveur? Du coup, avec toutes ces bêtises, j'ai même pas fini de préparer. Ah, t'as pas fini de préparer? Ah mince. Ouais, non, mais j'ai juste à rajouter le jeu sur OBS, puisque je l'avais enlevé, puisque je l'avais fini, moi. Non, moi, je suis content comme un chef. J'ai tout préparé hier. Normalement, je dois avoir un truc tout beau, tout propre. Ah non, mais moi, enfin, c'était prêt, j'avais juste pas ajouté le jeu, c'est tout. Oui, c'est bien. Comme on disait, mince, le sage n'est pas là, on s'attendait dans le vocal avec Dorota, on disait, oh, bah, on va attendre que tout le monde soit là pour lancer, et puis là on voit qu'il y a quelqu'un qui lance. Non, j'espère que je vous ai pas fait poroter trop longtemps, quoi, excusez-moi. Ah bah, ça fait 45 minutes qu'on est là, c'est tout. Ah ouais? Ah merde. Non, ça fait moins que ça. Non, moi je suis arrivé à, je sais pas, 9h20, quelque chose comme ça, ça fait pas si longtemps que ça. Oui, t'inquiète pas, je sais. Oui, non, puis moi, tu sais. Bah, cool, hein, tu sais, je me mets pas la pression, tu sais, je me lève. C'est le week-end, c'est tranquille, ça. Hein. Exactement. Oh, publié par Axolot, développé par Redbeat Interactive. F Match Speed 3 Games. Oh. Oh, c'est beau déjà, le halo de lumière dans l'eau, on dirait un coquillage mode Saint-Jacques. Alors, c'est ce que je disais à Torota, c'est du moment que tu lances, en fait, la partie tourne. Tu vois, donc normalement, il faut. Enfin, il aurait fallu attendre que tout le monde soit là pour. Oh bah, je peux douter, t'inquiète. Pour lancer. La grande question technique, c'est qui héberge le serveur? Ouais. Alors, j'ai envie de vous répondre, mais théoriquement, c'est pas moi, parce que c'est moi qui joue le moi. Je pourrais le faire. Il n'y a pas de oui, Torota, ouais, tu dois. Ouais, parce que tu pourrais éventuellement, entre guillemets, travailler hors antenne, préparer plein de trucs durant la semaine peinard. Justement, c'est ce qu'on se disait avec Steb tout à l'heure. Elle me disait, je vais trop en faire, mais je dis, bah non, parce que, enfin, sur ce jeu-là, on n'en aura jamais trop. Ouais, dans les débuts, t'en auras trop quand tout sera plein et que tu pourras plus rien ranger. Après, t'auras beau essayer de ranger, tu pourras toujours faire plus de rangements et du coup, t'auras jamais fini. C'est fou! C'est la folie. Oui, bonjour tout le monde hein, dans le chat, pardon. Bonjour tous ceux qui regardent.
Ah là là, apparemment tout le monde va bien. C'est bien, beau jour Nageman. Je sais plus si je t'ai nominativement. Bonjour tout le monde. Donc voyez, j'ai suivi le conseil de Poupon que j'embrasse qui m'avait dit « Ah, oh, je suggère de changer ta caméra d'angle pour voir là où tu mets ton pif quand tu regardes ton jeu. On a l'impression naturelle que tu regardes ton jeu. » C'est vrai, il a raison. Donc je suis passé de la droite à la gauche dans mon habillage de chaîne. Ouais, précise bien l'habillage de chaîne, hein, on sait jamais. Ça peut être l'habillage de moi aussi. Ah, ami voyeur, bonsoir. A Woodsman, voilà. Qui a fait ce radeau. Oh la vache, on dirait une guinguette de fête sur la Côte d'Azur, là, son radeau. Non, c'est un truc japonais, parce que vu, on dirait le rond rouge sur le fond blanc, au sol. Ça me fait penser un petit peu à ça. Je salue ton observation, oui. Je te donne raison. Comment, Koyu ? Moi, j'ai déjà préparé mon perso avec la chemise canadienne. J'ai vu qu'il y avait des persos à déverrouiller, dis donc. J'étais surpris. Et des petits cadenas. Alors, rejoins un monde, pour moi, normalement. Hop, Quel monde a été trouvé ? Vous pouvez... Hop, ouais, c'est parce que j'attendais de lancer Raph, là, pour que petit Seb soit... Ah bah, j'ai qu'à attendre patiemment. Je peux rejoindre que les mondes des amis. Bon, bah, c'est bien. Et vous délisez quelqu'un, bonjour Polo. Merci et bienvenue. Alors Nashaman dit, tu vas voir, tu passes de chouettes vacances sur ton radeau. Ah, je découvre totalement. Enfin, totalement. Non, c'est faux. J'ai déjà vu des extraits du jeu. J'ai vu, pour vous avouer... Alors attendez, il y a une double musique, je vais arrêter la mienne en libre en arrière-plan parce que c'est le bordel au niveau des sons. Poutchek, bonjour Poutchek. Bienvenue. Donc, j'ai vu des extraits du jeu, j'ai vu une phase où il y avait un paquebot abandonné à étage, où j'ai vu 5 minutes de fouille dans la cale, et c'est assez flippant parce que, visiblement, ça se passe dans le noir. J'ai vu une phase très bizarre avec une ville dans une sphère flottante, où il y avait fallait en fait cambrioler des apparts pour trouver des trucs. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Après, ouais, je vois une traversée en mer avec des débris à récolter, quoi. J'ai vraiment des trucs parcellaires du jeu, je présume. Voilà, c'est tout ce que je connais de Raft. Eh bah tu vas découvrir le reste, hein. Ouais. Bah c'est toi qui m'avais dit que visiblement il est assez long, visiblement, donc c'est bien. Ça... Ah oui. Bah nous on avait... Enfin, moi j'avais mis un bon moment pour le faire, on avait dû farmer un peu en dehors. Le temps de 2 ou 3 streams parce que... Et encore parce que j'avais quelqu'un qui était un gros farmer et que ça allait très vite. Voilà, mais bon, si on a Torota, il se privera pas de nous. Voilà. Et après, c'est ce que je disais, c'est que nous, on a fait vraiment. On avait commencé à faire un gros radeau, mais on l'a jamais fini. Wow. Si tu veux, c'est-à-dire que, en fait, c'est jusqu'à très récemment, je dirais, jusqu'à il y a 1-2 mois, je jouais, en fait, quasi uniquement avec Lanou en coop, en stream, parce que c'est le seul qui était disponible et c'est le seul avec qui j'arrivais à jouer. Okay. Donc maintenant il y a toi le samedi matin, j'ai une autre personne depuis hier sur Resident Evil 6 le vendredi soir. J'ai depuis un petit mois Infinity sur les jeux Hammerwatch le samedi et le dimanche après-midi quand il est dispo. Voilà. Donc je commence à avoir du monde en coop, ça fait plaisir, parce que moi c'est ce que je préfère faire, mais c'est vrai que du temps où j'ai joué à Raft avec Lanou, c'est le seul qui était là, et que, en fait, juste pour expliquer aux gens, sur mon Discord, il y a un channel caché, il n'y a que moi et Lanou qui le voyons, où on a fait la liste de tous les jeux qu'on a fait ensemble. Je sais pas si on arrivera un jour à la finir. En attendant, si je trouve d'autres gens, tu vois, pour les faire, des fois on se finit à 3, voilà. C'est beau, c'est bien. Voilà. Donc, il faut que je rajoute Torota sur Steam. Ah oui.
Ah oui. Vivi. Alors, est-ce que tu as ton... Ok, je quitte. Deux minutes, du coup. Oui, j'ai mon... Ouais, soit ton code ami, soit si tu me donnes ton pseudo que je te cherche, et puis... Ouais, mais c'est le même. C'est le classique sur mon pseudo. Dorota 77. Donc... Tournesol à récupérer. Dorota 77. Il y a du renom d'un drone. Et ton image, c'est quoi? C'est un... un geek dans un canapé rose. Et rose ça. Violet. Ouais, avec 4 contacts en commun, je pense que ça doit être lui, c'est bon. On dirait un canard en plastique qui tend la fenêtre du haut. Et c'est accepté. Voilà, du coup, violence. Ah tiens, tant qu'on est un peu dans les menus, je reteste un truc. Oui, voilà, je peux faire de la pub pour ceux que ça intéresse. Voilà, oui, ça remarche, c'est bien. Oui, j'ai programmé, hier soir, j'étais enthousiasmé par Dragon Sky, que je salue, à faire des modifs avec mon Westbot. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis le pif dans Westbot et ça évolue énormément. Il y a beaucoup d'options. Alors je ne dis rien, je garde la surprise sur ma chaîne, justement pour voir si ça marche ou pas. Mais il pourrait y avoir des systèmes automatisés qui pourraient se déclencher. Et c'est bien parce que c'est des trucs qui rendent vivants les petits canaux. Quand c'est bien programmé, ça donne du dynamisme. Et on peut être trois entre nous, ça peut simuler presque la présence de 10 personnes. Enfin, j'en dis pas plus, mais j'aime bien le principe. Donc c'est cool. Du coup, tu veux que je fasse comment, Seb ? Tu fais Nouveau Monde, tu lui donnes un nom, tu vois, je sais pas, tu l'appelles Stream Trio ou un truc, ou Stream Samedi, tu vois, un truc comme ça, histoire un nom que tu vas pouvoir reconnaître parce qu'on peut créer plusieurs mondes, sachant que un perso, en fait, le skin de votre perso ne change pas, c'est celui que vous choisissez, et d'un monde à l'autre, en fait, vous avez que les ressources que vous avez dans ce monde-là. D'accord. Non, c'est pas la peine d'essayer de farmer dans un monde pour ramener dans l'autre, ça marche pas. Hein, on n'est pas sur Terraria ou sur Starbound. Mais non. C'est un mode cruel. Tant que le mot de passe, je viens de le créer. Au niveau de la difficulté, pas plus de normal. Mais j'ai laissé comme ça, donc. Moi, perso, nous on l'a fait en facile et on a galéré un moment, hein, je préviens. Ah ouais. Ah, intéressant. Mais bon, après, moi, je dis ça, mais je suis pas un adepte de la difficulté non plus. Mmh. Sauf sur certains jeux que je surkiffe et où je m'amuse, hein, genre tout ce qui est un peu Resident Evil. Je pense que ça se sent quand je joue à Ebola aussi. Ah oui, ok. Donc là, c'est bon, j'y suis. Je vais laisser sur Discord le vocal... Le mot de passe que je vais le mettre dans le chat de la vocale. Oui, notre vocale à nous priver. Toc. Excusez-moi. Après, oui, le mot de passe, une fois que tu l'as défini, toutes les semaines tu mets le même, comme ça on est tranquille. Hop. Non, mon de. Voilà. Faudrait que j'apprenne à écrire. Voilà. Alors le nom du monde on le verra pas nous, donc c'est pas grave. D'accord. Hey, coucou Mika, bienvenue. Bonjour Mika. Ah merde, on le voit en clair. Ah merde, j'aurais dû changer de plan. ouais non mais après. Ils sont débiles. Tu le tapes vite. Salut Mika. Oh la boulette, merde, tout le monde a vu le mot de passe. Oh, je pensais que ça allait faire des petites étoiles Astérix, moi. Non, pas du tout. Ah mince, j'aurais dû changer de plan, je suis désolé, tout le monde l'a vu. Mais je sais pas s'il n'y a pas un mode streamer, justement, pour cacher les mots de passe, ce genre de choses. Ah, j'ai pas vu. Je me souviens plus. Pourtant, j'ai farfouillé les options hier. Donc c'est ce que je disais à Torota, en fait, il va être obligé de lancer la partie avant qu'on puisse le rejoindre à chaque fois. D'accord. Hop, la partie est lancée, donc vous pouvez, il n'y a pas de... Non, je suis déjà en train de rejoindre. Je suis un idiot. Ça dit que c'est en train de charger mes atouts. Mm-hmm. Je sais pas de quoi il parle, c'est pas moi, c'est le jeu.
Ah non, nous, va falloir nous introduire. C'est notre première expérience dans ce monde à queue. Alors, t'es tombé à ce point. Il y a de souvenirs dans ton expérience. T'as des souvenirs. Non, c'est que je préparais ma prochaine connerie, c'est pour ça. Je sens qu'on va bien rigoler. Oh mon dieu. Hésite pas, Torota, ce qui passe à portée du radeau, à essayer de le choper sans forcément lancer le grappin pour éviter de l'utiliser. D'accord. Ah, parce qu'il s'abîme. Oui, bah t'as la petite barre verte en dessous. Là, tu viens de le jeter. Ah, merde. C'était merde. Ton premier outil de survie, tu l'as balancé dans la mer. C'est bon, je l'ai récupéré. Retourne au radeau. On va se faire manger. Aïe, je me suis déjà fait croquer le cul. Tiens. Voilà. Oulala. Oui, c'est alors, troublant. Le plus intéressant à ramasser, c'est les tonneaux. Là, regarde, j'en ai un au... Regardez, ah, j'en ai un. Ah oui. Je vois. Voilà, parce que ça donne plusieurs ressources d'un coup. Après, faut pas hésiter. Par exemple, si je lance mon grappin sur un côté, je reviens, je chope un bidon. Je ramène pas à fond, je chope un deuxième bidon. Oh. Voilà, et après je ramène. On peut accrocher plusieurs objets en même temps. Ouais. D'accord. Ah, le requin qui est juste à côté, c'est magnifique. Donc voilà. Donc tu voulais que je t'apprenne le jeu, le sage ? Bah, bienvenue sur tes 4 planches, démerde-toi. Ah ouais, c'est violent. Hein. Ah, mon premier truc. J'ai du plastoc. J'ai gagné du plastoc. C'est typiquement là, celui que tu viens de ramasser, Torota, t'aurais très bien pu le ramasser à la main. Terre. Quand ça passe très proche du bateau, faut pas hésiter à juste vous pencher par-dessus sur le bord pour ramasser. Ah ben là, on va ramasser pas mal. Après, quand vous voyez les feuilles, y en a qui sont toutes seules et y en a qui sont par trois. Oui, moi j'ai eu un lot de trois, c'est bon. J'ai ramassé la planche. Wow. Oui, c'est vrai qu'il vient naturellement vers moi. Oh, j'ai vu un squal. Ah. Oh mon dieu. Mais je suis pas doué, moi. Un homme à la mer. Vite, à l'air. Ah. Oh, il se fait croquer le cul. Vite, te retard, reviens. C'est que t'as encore balancé. Oui. Putain. Oh, là là. Oh, le plastoc. Je l'ai. Mais, petit. Ah, punaise. Ah, ça commence bien. Ah, on va percuter l'île ou passer à côté? On peut on va passer à côté, les courants vont nous faire passer à côté. S'il y en a un qui veut sauter, aller sur l'île, ramasser des trucs, mais il faut qu'il se dépêche parce que... J'y vais, je suis fou. Bon. Allez, vas-y. Allez, je me fais croquer le cul encore une fois, je suis mort. Oh. Ah, j'ai récupéré une planche. Il y a quoi à récupérer? Attends. Je clique sur tout. Je clique sur le plastoc, le bambou, je peux pas le prendre. Il y a des coquelicots, non, ça servira à rien. C'est ça. Il y a des jolis. C'est quoi ça? Ça, c'est... Tiens, t'es en retard. Merci. Il y a un ananas. Oui, parce que... Oui, il ramasse tout ce que tu peux, le sage. Vite. Parce qu'on a juste pris, vous avez 30 secondes pour embarquer. Il me faut des feuilles. Qui vous voulez gratos. Ah, une fleur rouge. Ah, c'est beau. Ah, un ananas. On a encore deux tonneaux de vent. Si on a des ananas, on aura chacun notre dessert. On commence à s'éloigner, le sage. Donc, si tu veux... Dépêche-toi si tu veux pas trop te faire croquer le cul. Vite. C'est ça. Vous êtes où? Oh là, vous êtes loin. Ramasse le tonneau, Torota. Non, vite. Dernier truc, c'est bon. Je saute à la mer. Voilà. Alors, je sais pas où t'as balancé ton crochet. Moi, je le vois qui est planté, je sais pas où, de l'autre côté de l'île. Hein. Je peux relancer mon crochet sur le radeau pour que ça aille plus vite? Non. Ah, par contre, il y a le requin qui arrive te croquer le cul. Ah, j'ai vu ça. C'est horrible. Ah, merde. Les dents de la mer en mode raft. Comment je fais pour monter? Comment on fait? Ah, il se passe. Non, Torota, jette pas ton crochet. Regarde, le tonneau là, il passe à portée, tu le ramasses à la main. C'est ce que je voulais faire, j'ai fait merde. Après, tu peux très bien lancer ton crochet sur un côté et ramasser ce qui passe à la main pendant que ton crochet est à l'eau. Hein. Ah, ça marche. Comment on fait?
Ouais. Non, okay. Non, non, prochain plastique, je récupère. Mais merde, c'est pas possible. Ah, un homme à l'air. Allez. Ah, j'ai vu le long requin qui m'a fait sauter, ça m'a fait mourir. Une planche, une feuille, une planche. Il y a une jolie demoiselle. Ah, ça tu l'as ramassé, ok. Oh. Ah, le tonneau il passe. Non, c'est pas ça que je voulais. Comment je fais pour gérer? Alors attends, je vais me faire kniffer le fiac. Ah, j'ai cliqué sur un truc, ça a fait pause. Ah, inventaire, c'est comme ça. C'est où? Pastèque, graines jaunes, fleurs jaunes, machin, mais j'ai pas compris. Mais comment je fais pour ranger mon inventaire? Quand t'appuies sur I, tu peux. Ouais. Attends, je l'ai à l'écran, mais je le dis des trucs dedans, c'est-à-dire que je peux encore ramasser des trucs. Wow, alors, vous êtes. Oula, je vous ai perdu, putain. On a perdu. Tu tournes le dos à l'île et t'avances. Il est où, Torota? Il est plongé. Il est fou. Il s'est perdu. Non, j'ai fait encore un misclic à lancer mon grappin dans la flotte. Oh punaise! Oh, t'inquiète pas, pour l'instant le requin il est autour de nous, il est pas vers toi donc. Ah bah cherche le requin, tu le trouveras. allez, ouais! Ah punaise! En tout cas, l'eau est très bonne, hein, je voulais le dire. Il y a plein de tonneaux là-bas. N'hésite pas à balancer plus sur le côté le sage, parce que comme ça tu vas plus loin. J'ai gagné. Livre, ouais, la caisse là peut être très intéressante. Ah, on peut. Je sais pas si je suis assez loin. Non, j'ai pas l'impression. Oh, j'ai du mal à avoir le geste. Ah, bon, bah je me suis raté. Bon, c'est pas grave, j'y vais à la nage. Oh, ah, bah j'y vais pas à la nage. Alors, j'ai tellement de choses dedans. Mes fesses n'étaient pas assez grands pour afficher tout ce qu'il y avait dans la caisse. Tu as raison. J'ai gagné plein. Alors, voyons. Alors, je suis où? Il y a un truc là-bas. Ah mais punaise. Il y a un gros morceau de navire qui flotte au loin. Ou une espèce de mini balise de mer. Oh. Hop. Alors, soit je vais sur l'île. Plus de plastique. Soit je vais sur l'île, je vais essayer de récupérer un maximum de trucs. On a une extension de radeau, je sais pas qui a fait ça, mais c'est bien. C'est moi. Ah bon, j'ai commencé. Quand t'appuies sur I et que t'as ton inventaire, t'as tous les trucs que tu peux fabriquer sur le côté. Gros vilain, écroque les morceaux. Va-t'en, vilain cheval. Ouais, tu peux rien faire, on n'a pas d'armes pour le repousser. Ah, mais... C'est pour ça que j'ai commencé à grandir avant qu'on se fasse se manger. Ah, et que... Ah, parce que les 4 planches, il y a même pas une. D'accord, il peut nous bouffer complètement, quoi. Si au début, tant que t'as pas commencé à grandir, il attaque pas, mais après, une fois, il peut attaquer jusqu'à bouffer tout ton radeau. Ah, oui, une fois que t'as compris le principe, ouais, c'est les. D'accord, les hostilités sont ouvertes. Oh la vache! Ça déconne zéro. Oh. Ah, ok. Donc, surtout qu'on n'est pas en facile, cool, alors je vais faire attention. Ah oui, prends, oui, t'as raison. Attends, je suis intrigué par les gros débris là-bas. C'est un truc, il y a un coffre dedans et il faut le ramasser et revenir parce que ça coule en fait quand tu montes dessus. Mais j'y vais. D'accord. Ok, mais si petit Seb. Moi, je récupère. En espérant pas trop me faire croquer le cul parce que, à force de me le faire croquer, je vais bien finir par mourir. Oh non, il est loupé. Oh oh, le squal fond sur toi. Il m'a raté. Tant mieux. Alors. Regarde, je suis déjà à moitié coulé. Oh, il fait nuit. C'est beau et c'est effrayant à la fois. Oh oh. Alors, voyons. Est-ce que j'ai de quoi faire une petite bougie? Attends, j'ai ramassé une planche. Oh, je loupe des planches. Non, mon bras est pas assez long. Au secours. On va crever. Il faudrait peut-être que je retourne au bateau. Attends, sinon, je vais mourir. Attends, petite planche. Je crois que je vais mourir, putain, oh, je suis dégoûté. Lune. Voilà, bah je suis mort. Oh merde. Ding ding ding. Ah, m'a fait peur. Oh, et moi je suis perdu sur mon île.
Torota, jamais la seule chose à faire, Torota, c'est de te suicider. Hein. Là, ah, mais alors, c'est parti. Let's go. Tu sautes à la flotte et... Ah, mais j'ai le requin à côté. Donc, viens par ici, copain. Tu vas m'aider. Il me faut deux morceaux de plastique. Ah, est-ce que je peux te donner des trucs? Parce que moi, j'ai plein de trucs. Oui, tu peux donner. Moi, bon, après, c'est bon. Regarde, hop. Il y en a là. J'ai bretard, j'ai des... Voilà, hop, voilà, comme ça je me suis déjà fait croquer le cul, c'est fait. Oh. Bon retour dans le monde. Oh. Une fois qu'on aura compris le système, ça sera beaucoup plus facile. Là, vraiment, comme c'est la découverte, c'est... Ah oui, c'est la découverte totale pour moi. Attends, est-ce que je peux déjà pas faire une petite boîte de rangement, non? Alors, l'intéressant à faire, pour commencer, il faut faire un marteau. Ah bon? Comme dit la oui, chanson, c'est ce qui permet de construire là-bas le radeau, de le réparer, etc. Alors, il faut 4 planches et 2 cordes. Ah merde, j'en ai qu'une. Si t'as des, regarde, passe ta souris sur les cordes. Est-ce que t'as un plus vert qui apparaît? Ah, ça y est. Non. Non, ça veut dire que t'as pas assez de feuilles pour en crafter. Des feuilles, j'en ai 22. Perdre deux tiers de l'inventaire. J'ai pas grand chose. Bah, j'ai pas de flèche. Ou alors c'est pas mis au bon endroit peut-être. Ah, mais voilà. C'est en fait quand tu es sur ton marteau, tu cliques sur le marteau. À côté, ça t'ouvre la fenêtre avec les ressources. Normalement, si tu te mets sur la corde, vraiment sur l'image de la corde, t'as un plus qui apparaît. Oui. Sur le dessin. Ça veut dire que dans ton inventaire, pas l'intitulé. Ouais. Ok, oui, l'icône. Je peux fabriquer le marteau. Je l'ai. Voilà. Et quand t'as le marteau en main, si tu fais un clic droit maintenu, tu as tout ce que tu peux construire avec. Voilà. Donc, les fondations, les toits, les escaliers, et tout en bas, le marteau avec le plus, c'est la réparation. Oh, bonne mère. D'accord, ok, merci. Bon retour parmi nous, Torota. Merci. Il y a plein de variantes. C'est limite si vous propose pas du parquet de bois ou les classiques illustrés avec des... Oh là là. Oh mon dieu. Tiens, Torota. Ah, oh, merci. Mais elle est très acrobatique, l'île là. Oh, bien joué. Tiens, je vois un corps étranger là-bas. C'est quoi, c'est du plastoc? Ah oui, j'ai gagné du plastoc. Non, j'aurais pas dû y aller, je suis trop con. Pourquoi? Parce que j'ai plus de PV, je vais déjà me faire tuer. Ah. Et du coup, je vais reperdre 2 tiers de mon inventaire. Si tu veux. Ah. Moi, j'ai un premier succès dans ce vertu un jour. C'est pas vrai, le soleil s'est pas levé. J'ai réussi à aller jusqu'à l'île, c'est un miracle. Ça le prix. Même le marteau, on peut pas lui donner sur le coup, tu utilises le marteau. Ah oui, alors fais attention parce que tu utilises ZQSD pour te déplacer, Torota, je suppose. Ouais, hein, c'est ça. Et de base, la touche A, c'est pour jeter l'objet que t'as en main. C'est peut-être ça qui te pose problème, faudrait peut-être changer tes touches. Non, c'est E. C'est E. De mémoire. Non, si moi c'est A. Ça. Ah, mais je l'ai peut-être changé, moi. Oh. Ah, attends, je vais essayer d'apprendre à faire une autre. J'ai récupéré une caisse. D'accord. Ça, c'est ok, génial. Je sais ce que c'est. Attends, paramètres. J'ai récupéré de la boue, j'ai récupéré des charnières, des clous... J'ai même récupéré du fer. Ah, ben voilà. Jeter. Voilà, je rétablis l'intégrité du radeau. Ça y est, je sais pourquoi. C'est quand j'allais à gauche, c'était le cul, ouais. Pour jeter. Vous pouvez désormais faire un récepteur, me dit le jeu. Oui, parce que dans certaines caisses, tu as des plans, le sage. Et du coup, il faut les utiliser. Ouais. Ça les apprend à tout le monde. Ça les débloque pour tout le monde. Bah là, on a appris à faire une antenne. Ouais, je sais, ça vient de me l'afficher. Je crève de soif, au secours. Ah bah, si j'arrive jusqu'au radeau en vie, t'auras de la pastèque. Ah bah, je crois que j'en ai, moi. Attends. Oui, j'ai de la pastèque. Comment je suis pour la Bah, mange. On va récolter un maximum de bois. Bah, comment je la mange? Attends, je la mets dans la barre d'action. Sachant que le bois, c'est 4 boîtes de plastique, ça permet de faire le... Hey, coucou, Clégor. Le crochet de base. C'est merveilleux, j'imagine. Non, il y a le requin qui me croque le cul, au secours.
Oh oh. Oh la caisse, Torota, tu la vois? Chop là, Torota, la caisse. Non. Ah non, putain, tu es encore à la flotte. Fais chier, ce putain de requin de merde. Attends, je m'occupe de la caisse. Ah oui. Je l'ai. Bien joué. Putain, j'ai perdu. Bien sûr, j'ai perdu tous les objets intéressants. Ah, dommage. J'ai perdu toute la boue, j'ai perdu toutes les, tous les outils qui nous auraient permis d'avancer plus vite. Et de toute façon, dans 3 secondes, je vais recrever de faim. Tenez. Ah, c'est ton héritage, merci. Bah après prenez pas tout, je vais récupérer dès que je reviens. Voilà, moi j'ai un surplus, là, je peux plus en ramasser tellement que je suis plein moi. Alors moi j'ai pas à crever parce que dis donc je suis le cargo du groupe. Ok. Voilà, par contre je veux bien récupérer mon marteau, t'as dû récupérer le marteau, le sage. Ah pardon, merde. Soit quand t'es dans ton inventaire avec ta souris, tu prends, tu mets en dehors. Salut Lynn, comment tu vas? J'ai accroché notre propre radeau. Alors, fais attention à bien regarder vers le radeau parce que ça lance l'objet là où tu regardes. D'accord. Lancer un objet, je sais plus quelle touche. On découvre donc, mais c'est plus sympa. Merci. Donc c'est cool. Alors si tu veux, je peux créer un marteau et une hache entière. Crée-toi le marteau si tu veux, Torota. La hache, c'est pas la peine d'en créer plusieurs, par exemple. D'accord. Vaut mieux en créer une et qu'il y en ait qu'un qui s'en occupe, parce que ça consomme pas mal de ressources. En fait, va falloir qu'on se répartisse les outils. Parce le crochet, faut toujours qu'on en ait un, parce que ça nous permet de récolter tous. Donc, si je peux faire ça... J'ai mal le lancé. D'accord, ok, c'est pas... Canne à pêche, il m'a foutu de la corde. Matelot navigue sur les eaux. C'est ça. Je pourrais faire une canne à pêche. En même temps, le jeu, j'ai l'impression qu'il a une... il est militant sur l'écologie. Non, c'est passé à côté. On a foutu. Nos océans... Je vais me faire tuer comme ça. Je vais encore râler. Allez, GG Tot, voilà. Il a eu le tonneau. C'est bon. Ouh, j'ai eu de la ferraille. Ça, c'est bon. On va pouvoir... Feuilles de palmier. Oh oui, 2x3. Je suis trop fort. Hop. Bonjour, agent. J'espère que tout le monde va bien. Coucou. Hop. Qui c'est qui ne va pas mourir, là, pour l'instant? Moi. Comme là... tu vois, ce qui serait intéressant, c'est de juste faire ce qu'il faut pour se faire un premier coffre, tu vois, rapidement, après, agrandir le radeau tant qu'on peut, commencer à faire les premiers appareils, quoi. Ah oui. Récepteur. Hop, je vais jeter tout, comme ça au moins. Un établi. Petit comme stockage. Ça. Permet de stocker des objets. Permettez. Oh. Merde, je commence à avoir faim. Voilà. Ouais, le ventre qui. J'ai récupéré ton marteau. Oui. Ouais, pas de soucis. Enfin, j'ai récupéré toutes tes affaires en fait. Oh. Hop. Ah, je peux faire pivoter la boîte. Bon, j'ai encore un petit peu de santé, vas-y Taïo. Tant pis si je crève. Bon, j'ai pas grand chose. On a une boîte. Oh mon dieu, j'ai vu des choses, une sirène. Une sirène qui s'appelle Torota. Oh mon dieu. Et la petite sirène qui va partir dans les dans l'estomac du requin. Faudrait que tu bouches les deux trous qui sont là, mon sage. Eh ben voilà. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. J'avais ma deuxième ferraille. Bon. Et une ferraille, j'en ai une, moi. Oh. Mais ça se trouve, tu les as toutes perdues. Oh. Ah, il y en a un qui a fait du stockage. Je vais mettre du poids, Alors, là, ce qu'il faudrait que tout le monde se fasse dans le premier onglet, c'est le gobelet vide. Le gobelet vide. Hop là,
Et de parti. Alors, toc, gobelet des vides, plastique, il me faut 4. Ok. Oh, magnifique le tonneau qui s'offre à nous. Ah, le squad m'a fait peur. Oh, et la mer s'agite, et au secours. Ah. Ah. Bonjour, requin. Au secours. Ah. Manger des ananas pour passer le mal de mer. Alors, une chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas les ressources sur vous, mais qu'elles sont dans le coffre, oui, ça marche. Si vous êtes dans le coffre, vous pouvez crafter depuis le coffre directement. Ah, il y a un cumul, c'est beau. Oh, il y a une Raymonta, elle est jolie. Ouais, quand tu te recruteras les fesses, tu seras moins... Ouais, ça mange. j'ai mis ton marteau dans le coffre, Torota. Ah, merci. Donc, avec le gobelet, on peut remplir de l'eau de mer, la mettre dans le purificateur. Oh, parfait. Mettre du bois en dessous, j'en ai pas. J'ai là mon bois. Est-ce que je peux me crafter plastique, terre, plus cher que... stockage. Terre, hop, je... Alors, par contre, faudra faire attention, on ne peut... on ne peut pas être à plusieurs dans le coffre en même temps. Ah. Hop là. Ah oui, pour les interactions, c'est délicat. On tente. Oui, bah si t'es pressé parce que t'as besoin de quelque chose, bah tu peux toujours tenter de récupérer des choses sur l'île, hein. Okay. Ça, c'est pas un souci. Bonjour, fan, fan. Mais c'est bien. Ah, je t'entends à peine, dit agent. Ah bon, on m'entend faiblement? C'est pas normal. Parfait. Ah, elle a l'air bizarre, l'île, elle m'inspire pas confiance. On dirait qu'il y a de l'eau dedans, enfin, elle est en forme de donuts. Ah, mais c'est possible, hein. Attends, elle est où? Ah, elle est là. Ah, oh, d'accord. Okay. C'est pas grave, on va continuer à récolter des ressources comme ça. Parce que... Ouais, parce que l'île, là, franchement, elle m'inspirait pas du tout confiance. Je suis désolé, je la sentais pas. Oh là, y a du plus. Donc, les... ça serait bien là qu'on arrive à faire genre 4 coffres, je pense. Ça nous permettra de commencer à trier un peu les ressources et pas de tout foutre dedans. Il y a de l'eau potable qui est prête si s'il y a quelqu'un qui veut. Mais vas-y, le sage, t'inquiète pas. Bah, il faut que vous ayez fait votre gobelet. Hein. Attends, t'entends très fort les autres et pas moi. J'ai le bras court. Attendez. Mais merci pour l'info, agent. Attends. Je vais faire une manip rapide. Planche et 3 cordes. Alors, bougez pas. Ah ouais, on entend pas quoi les autres. Laisse. Hop, on est ici. Oh. Bon, tant pis. J'étais parti pour le récupérer, j'avais déjà lancé le crochet. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que le est un peu fort. Voilà, je pense que ça doit être mieux comme ça. Alors. Ah, mon crochet dans ta tronche. Hop là. Et merci pour le partage. Hop. Oui, t'as un tonneau pour ouais, petit cep sans charge. Et il faut du plastique. Okay. De toute façon, il a porté le tonneau. Voilà. Mettra feuille, corde, impeccable. Faut que j'apprenne à bien viser. Putain. Ça va être le plus compliqué. Ah, le squad me fait peur. Il y a plein de pêcheurs qui arrivent. Il y a quelqu'un de frappe pour le ramasser. Oula, il y a la houille là. Oula, y a la houille, là. Oh, raté. Oh, c'est juste trop. Bon, on est d'accord, hein, sur le navire, le capitaine, c'est Kiki Seb. Hein. C'est lui qui est le plus instruit. Ah bon, pourquoi c'est normal? La 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 la. Bon, j'ai fabriqué des lances, chacun prend une lance dans le coffre. Oh. Ça nous perdra comme ça, quand le requin essaye de niaquer le bateau, on lui met des coups de lance pour qu'il lâche. Le piquer. Alors. Personne boit alors. Oui, je vais peut-être réactiver le son pétrin, effectivement. Il faut que tu fabriques ton gobelet avec 4 morceaux de plastique. D'accord.
Et t'as déjà de l'eau de mer dedans, non? Je sors de la boîte pour qu'on puisse interagir avec, j'ai ma pique. Voilà, attends, on a plein de trucs là. Ah oui. Vite inventaire, oula j'ai soif. Alors, gobelet vide, fabriqué. A plus agent. Oui c'est déjà mieux, merci agent, merci tout plein. Bonne journée, nickel. À plus, bon week-end. Pas mal. Remplir d'eau de mer. Je remplis d'eau de mer mon gobelet. Mais elle va être sale. Non. Tu l'as fait ou pas? Non. Non, là, viens là, le sachet, le purificateur d'eau. Là, tu peux récupérer l'eau potable. D'accord. Donc, tu appuies sur E, là, tu récupères ton eau douce et tu peux la boire. Voilà. Et ensuite, le gobelet, bah, tu le remplis d'eau de mer et tu mets dans le purificateur et avec la. Voilà. C'est, en fait, ça le fait bouillir. La feuille de palmier récupère l'eau et fait couler dans le gobelet, ça te fait de l'eau douce, quoi. Ah, trop bien. Alors, attends-moi, que je viens. Vous avez récupéré vos lances, c'est bon. Bon, bah on continue à récolter. Hein. Hop là. Reviens pas là, toi. Salut, fun, merci de passer chez moi aussi. Oh. Attends, je peux pas. Oui, il y a beaucoup d'autres animaux que le requin dans Raph. Hein. Surtout maintenant que le jeu est fini. Oui. J'imagine que le bestiaire, il va y avoir des biomes, on va avoir des bestioles différentes à chaque fois. Non, c'est bien. Il y a des tonneaux qui arrivent là, effectivement, à tribord. Non, à bâbord, pardon. Bâbord c'est gauche et tribord c'est droite normalement. Dans le langage maritime. Oula, je suis en train de mourir de soif moi. À bâbord. Ah, mais regarde, j'ai ramassé une feuille. Un tonneau, deux tonneaux, un morceau de plastique. Oh, hop là. Oui, fais ton glouglou, petit Seb. Je boirai après, moi je peux encore attendre. Par contre, moi je suis parti pour crever. Ouais, mais de toute façon, je vais mourir de faim maintenant. Ah merde. Oh, c'est moche. Oh, le jeu est super balèze tout seul. Ah ben solo, il faut arriver à récolter assez de ressources pour crafter un truc, le poser, hop, recommencer, etc. Attends, pardon, après ton purificateur, moi je peux vous concevoir une grille de cuisson simple. Je la fais ou pas? Si t'as les ressources, oui, vas-y. Ah bah oui. Non, c'est pas ça que je vous propose. On peut la faire. Voilà. Diner time, le temps de dîner. Un conçu et placé un simple grill. J'ai un succès. Wouh, là-bas il y a un tonneau, il est pour moi. Hop. Aïe. Je vais mettre tout ce qui est planche, ça ici. Avec les planches, n'hésitez pas à remettre aussi dans les trucs de cuisson et de purification d'eau. Le truc d'eau est prêt s'il y a quelqu'un qui a soif. Ah oui, mais qui... Ah, je crevais surtout de faim, moi. On a plus une... Je vais relaisser le marteau dans le coffre. Je risque de crever bientôt aussi. Allez, moi, la barre de faim, je suis en dessous de la limite. Hein. Oui, je suis en train de clignoter dans tous les sens. Ah, faut piquer le truc au dîner local. Je vais essayer de... Il faut que je... S'il y a quelqu'un qui a trouvé des patates ou des choses comme ça, il peut les... Ouais, j'en ai deux. Ah! Eh bah, mets-en un à cuire là, sur le grill. Ça je peux le mettre. Faut que tu récupères ton marteau dans le coffre, Torota. Ouais, parce que comme je vais bientôt mourir, du coup, je... Bah moi aussi, là, je suis à la moitié sous la barre de survie, là, donc je vais... Alors, le plan d'antenne, tu l'avais récupéré dans un tonneau, je sais pas quoi. Je l'ai mis dans le coffre. Je t'inquiète pas, je l'ai balancé à la mer. Bah, une fois qu'on l'a appris, on en a plus besoin. Ah d'accord, si tu le dis. Hey, yo, fun. Oh là là. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Là, je fais juste. Verser liquide. Ah, j'ai la feuille. Droite. Bon, je vais mourir là. Ouh là là. J'ai pas de manger. Mon inventaire, quand je meurs, il se passe quoi?
Ampère, les deux tiers. Donc il faut que tu poses tout ce que tu peux. Sinon, jette-le sur le radeau. Jette tout sur le radeau avant de mourir. Hein, et nous, on récupérera Attends. Comme ça. Ah oui, d'accord, c'est pas con. Voilà. Parce que là, je veux vraiment. Voilà, vous allez vous débrouiller avec ça. Comme il faut la grosse okay. Qu'est-ce qui arrive là. Je viens de mettre une autre pomme de terre. Jette okay. Dans mes bras. Ouais, voilà, ben, t'as mangé la première. Ouais. Ok. Non, merde, je perds ma point. Le gobelet, le... alors il y a des trucs à moi. Adieu, monde cruel. Ah, on va voir le fond de la mer. De toute façon, j'avais plus le bouffe. Oui, oui, puis plus, comme ça, t'attires le requin un peu plus loin en même temps. C'est horrible, ce jeu est horrible. Ça, c'est du beau stockage. Merde. J'ajoute deux ferrailles de plus. Ah putain. Et... ouais. Abandonner et réapparaître. Allez, la patate cuit plus vite. Hop. Merci. Tant bien, j'avais faim. Ah tiens, toi cuit aussi. Je suis ressuscité. Avec le bordel sur le radeau. Et les gars, quand vous buvez de l'eau, il faut en remettre. Hein. Parce que sinon. Justement, j'en remets. Mais... ah, mais tu venais de boire seulement, d'accord. Je veux le mettre en faisant le clic droit, mais ça met pas l'eau. Enfin, moi, j'ai pas l'interaction. Non, moi, j'appuie sur E pour le mettre. Ah, d'accord. Oh, what you plastic. Mince, mon inventaire est pas dans le bon ordre de tout à l'heure. Au secours, panique. Attendez, mon pic, il est là. Mon crochet, il est là. Je pense. Le marteau dans le coffre, il est acquis. Il est à moi, mais tu peux t'en servir. En fait, c'est plutôt prends-le pour qu'on puisse mettre d'autres sources. Ah, ok, c'est bon. Parce que je suis en train d'analyser mon inventaire. Hop, pour la pomme de terre, quelqu'un peut la prendre. J'en ai une autre là, que je viens d'avoir. Ok, je veux bien. Oui, je sais pas où est la pomme de terre. Mais... ici, sur le barbecue. Ah, sur le barbecue. Oh, on en a deux. Barbecue. On a besoin d'un grand rendement. Parce qu'on peut faire cuire qu'un seul truc à la fois. Ah d'accord. Ah ben voilà. Ok, merci. Hop là. Tac. Il y a combien il y a qu'une corde. Je quitte la partie juste un petit moment. Oui, attends. Ah oui, mon dieu. Ça fait peur. De quoi? Bah de te voir disparaître. J'ai une indication que petit Seb a quitté le navire là. Bonjour, magicien. Là. Bonjour Mayonnais, bonjour, bonjour les copains. Bonjour tout le monde et à bientôt. Donc je quitte pour le temps que j'AFK en fait pour pas crever et je reviens. Nous sommes naufragés. Oh une tortue, c'est beau, des tortues. Oh c'est joli. Oh tout le matos qui arrive sur nous là, c'est faut qu'on se prépare Torota. Joli quand même, j'ai gagné. Planche, pierre, c'est plastique. Quoi, là-bas c'est une caisse, il nous la faut. Elle est où là-bas? Ah ouais. Non, on est trop loin. Ah, je suis deg. On a loupé une caisse de matos. Je vais me dépêcher, vas-y, hop. C'est là. Non, mais il est fou. Il est fou. Il est téméraire, mais il est fou. Il revient vite, Torota. Ah, elle croquait. Non, t'es mort? Ah, ben oui. Oh merde! Oh, t'as perdu les deux tiers de ton inventaire. Oh, c'est terrible. C'est pas grave. Je suis moins seul. Ah, t'es revenu, Torota. Tac, je me refabrique que ça. Ah, j'ai la panique. Panique on board. J'ai toujours un marteau, j'ai la lance. Attends, mais c'est bizarre, j'ai de l'eau dans ma tasse alors que j'ai pas voulu la remplir. Remplir de douce. Ah là, je peux la boire. Voilà. Une petite collation. Oh merde, j'ai loupé le. Merde. Oui, non mais. Donc j'arrête de garder ma tasse en main parce que avec la houle, je finis par avoir de l'eau de mer dans ma tasse. Ah, c'est Jabotron. Accrochez-vous à tout ce que vous pouvez, ça va se couler. Ça va péter. Ah, oh, joli clair de lune. D'ailleurs, est-ce que je peux... ah, je peux commencer à grandir un tout petit peu le... ouais, mais on va... je vais essayer de...
d'engranger un maximum de... Je sais pas, je vois des choses. J'essaie de ramasser des petits débris. Moi, ce que je vous disais, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'on se fasse... Là, on a les deux grilles. L'eau, ça va assez vite. On n'a pas besoin de deux pour l'instant. Ce qui serait bien, c'est de se faire quatre coffres, tu vois. Qu'on ait un coffre pour le bois, le plastique, un coffre pour les feuilles, les cordes. Enfin, commencer à trier un peu et avoir assez de place pour quand il y en a un qui va mourir, si jamais ça arrive encore. Oh merde, j'ai trop de choses en inventaire. Je dégueule de trucs quand je ramasse. Oui, c'est pas grave si ça tombe sur le bateau. Et bon, j'ai récupéré ce qui est parti. C'était deux pierres. Attends, je vois que dalle. Ah, parfait, une caisse. Regardez qu'avec. Vas-y, viens la caisse. Avec des pierres et du plastique, peut-être même de la corde, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir faire une encre temporaire. C'est-à-dire, elle ne s'utilise qu'une seule fois. Ah ouais. On va poster à une île. C'est ça. Oh, on pourra se poser un peu sur une île, ça paraît bien. Tant que je mets de la ferraille, j'ai de la corde, de la pierre. Je vais voir si je peux crafter un coffre. Ouais, je peux le fabriquer un coffre. Ok. Du coup, je vais mettre le coffre ici. Bah, il faut que j'allume. J'arrive pas à me servir de l'indicateur. Alors, je sais me servir pour voir, mais pour préparer le service suivant, je sais pas comment on fait. Oh merde. Donc, tu cherches à faire quoi, le sage? Oui, s'il te plaît, j'arrive pas à interagir avec. En fait. Tu veux que je remette de l'eau? Oui, s'il te plaît. Tu prends l'eau de mer avec E et tu la mets dans le purificateur avec E. Ah, ok, pardon, merci, je suis un idiot. D'accord. Parce que je me et ensuite, pareil, bah, tu prends l'eau purifiée avec E, tu la bois. Après, si t'as déjà de l'eau de mer dans ton gobelet et que tu veux de l'eau purifiée, il faut faire, si t'as pas changé les touches, c'est clic droit pour vider ton truc sans le boire. Parce qu'il faut pas boire l'eau de mer. Ah oui, tu m'étonnes. C'est plein de bactéries, c'est salé et je vais crever. Je vais avoir la diarrhée dans un premier temps et je vais mourir dans une souffrance. C'est horrible de boire. Demandez la recherche au docteur Bombard. Alors, et justement, tiens, pour parler de cette docteur Bombard qui a fait des tests de survie, médecin qu'il était là. Alors, ça a contesté, mais bon, je suis pas là pour faire la polémique en concernant. Il paraît qu'il est très bon réflexe d'avoir une femme parmi les naufragés. Pourquoi? Parce que son soutien-gorge peut permettre de pré-filtrer l'eau de mer et ça élimine déjà de moitié les cochonneries dedans quand tu filtres avec un soutien-gorge l'eau de mer. Astuce de survie, si un jour par malheur ça vous arrive, ayez une femme à bord, elle pourra vous sauver. Sur le principe, tu peux filtrer avec n'importe quel tissu en fait. Ouais, les bonnets de soutif. Ah! Oui, c'est avec le rembourrage, ça filtre encore plus. Message de Funfan 1992. Parce que c'est bon pour la reproduction, je trouve. Paquet de décoration. Qui c'est qui a mis ça, le paquet de décoration? Je sais pas. C'est peut-être un paquet de décoration, c'est pareil, il faut l'utiliser, ça vous apprend une décoration à crafter. Oui, quand t'es en mode survie, essayer de gérer ta boisson et ton lien, c'est plus content de faire ta Valérie d'Amédée. Oui. Bon, ça vient dans un deuxième temps, je devine, mais là c'est mal barré. Je parie que tu finiras par le faire, le sage, t'inquiète. On va le faire. Il que dans Star Wars. Je veux ce morceau de plastique. J'ai de la vie. T'as pollué en plus. Hop, si tu veux boire le sage, tu peux. Merci, monsieur. Non, ça va, la flotte. D'ailleurs, il faut que je gère ma bouffe avec le miam que j'ai. Ouh, il y a une caisse à bâbord. Une caisse, c'est un tonneau. Hop là. Ah, un paquet de décoration aussi pour moi dans le tonneau. C'est fou. Oups. Miam, j'ai dû manger. Ok, ça c'est bon. Tonneau dans ton dos, Torota, tu le gères ou je le gère? Ouais, ça devrait le faire. Je sais pas s'il est apporté, mais je le vois.
Hop là. Un paquet de décoration numéro 2. Je vais prévenir Mayonnaise. Décidément, le jeu des femmes en mer, je vois que ça vous inspire. Ah là 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 là. Il y en a qui rêvent de sirène. Ah, je veux dire, on n'a pas à être fier la gente masculine là, parce que le coup où je me marre, je dis on est dans un milieu à queue, tout le monde pense à la même chose. Comme il y a quelque chose d'insta primaire, c'est fou. Aïe 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 aïe. C'est du joli, ouais, c'est du pop. Je suis en avance sur mon corde. Ah, il y a des petits morceaux sous le radeau, non? Ouais. Des choses. Ouais, tant pis pour les planches de bois. Encore un tonneau. Oui, moi aussi je l'ai vu, c'est beau. Avec un peu de chance, j'aurais même pas à faire usage du crochet. D'ailleurs, le mien il va bientôt péter. Faudra que j'en fasse un autre. C'est pour nous le tonneau. Tonneau. Allez, vas-y. Tonneau. Et puis il y a plein de trucs avec. Ouah, j'ai tout récupéré, c'est énorme. Bien joué. Qu'est-ce que je peux mettre ça ici? Oui. Oh, notre capitaine me manque déjà. Mmh. Petit Seb, parti trop tôt. Il y a une pomme de terre. Bah, si t'as faim, mange-la. Moi, je dois avoir des trucs à bouffer, je pense, de mon côté, non? Ah non, peut-être pas. Torota, hésite pas de temps en temps à appuyer sur ta touche échappe et à faire sauvegarder. Ça sauvegarde le monde et tout ce qu'on y a fait. Ah, d'accord. Bon, mais je vais enregistrer le monde. Enregistrer le monde. La 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 la. Enregistrer le monde. Alors, petit carré de terre. Il y a de la betterave qui cuit. Oh, il y a des trucs, c'est pas donné. Ah oui, il faut que je me refasse un crochet par avance. Parce que le mien va bientôt péter. Ça, c'est un bon réflexe que j'ai eu. Ah, bien vu. Oh, là-bas il y a un tonneau, mais à mon avis il est trop loin. De ton côté. Trop loin, mais s'il n'y a pas le requin, je me. Ah, si, il y est. Non, 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 le squat est toujours là. Ouais. Il a pris un abonnement nous concernant. Tu parles, il n'y a rien d'autre d'intéressant pour lui à 1 km à la ronde. C'est ouais, le VIP. Ouais, c'est ça. Ah, est-ce que. La la la, la 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 la. Ouais. Ouais, non, bon. Il était trop loin. Ouais, j'avais essayé, mais. Oh, la mer. Alors, certes, est calme. Ça, c'est agréable d'avoir une mer calme. Mais alors, là. Les débris sont plus très nombreux, là. Là, c'est la pauvreté. C'est peut-être maintenant qu'il faut concevoir et assembler des trucs. Parce que c'est d'un calme, ça vaut plus le coup de se précipiter. Il y a un truc à bâbord, à tribord, à croque-mort, là. C'est. Voilà. Et coucou, Nayone. Bonjour, Nayone. J'ai soif. Un stock qui est. Non, mais ça suffit. Voilà. Remplir d'eau de mer et remettre dans le purificateur. Voilà. Je purifie l'eau. La 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 la. Alors, le miam. Oh non, je vais crever de faim. J'ai plus de ce qu'il faut pour. Une île, au secours, j'ai faim. Oh, il y a des tonneaux qui arrivent. Il y a des gros containers, peut-être même des caisses. Je vais essayer de me faire le tonneau de droite. J'espère qu'à terme, j'aurai mon instrument joujou de voyeur que j'adore dans Minecraft, qui s'appelle une longue vue. Ah oui. J'adore mater des choses, moi, la longue vue. Ah, il a bien précisé qu'il était voyeur, hein, le sage. Moi, j'ai hey, coucou, la patate bio, comment vas-tu? Eh oh, pour la reconnaissance, c'est important d'avoir un voyeur. Le petit coucou enfin, et le petit lurk en espérant que tout le monde va bien. Merci pour ton lurk. Oui, tout le monde va très bien. Merci beaucoup. J'ai gagné une pomme de terre. J'ai faim. Vite, tonneau. Ta-ta-ta-da. Je gère le tonneau. T'inquiète pas, Torota. C'est pour nous. Moi, j'aime bien avoir un repéreur du terrain, mais un voyeur, pas trop, quoi. Mais sous les douches, ça fait peur. Même dans la vie, il se balade avec une longue vue. Alors tu rigoles, Nashelman, mais il y a un peu de vrai dans ce que tu dis. C'est ça, c'est un réflexe que j'ai gardé. Pareil, feu mon papa. Oula, qu'est-ce qui est belle là, qui nous arrive droit dessus.
qui aime bien mater. Ouais, elle est magnifique. Mater à droite, à gauche. Et c'est vrai que les, les paires de jumelles, j'aime bien. Moi aussi, j'y ai pris goût. Ah, on voit des choses par moment, c'est sympa. Ah merde, le tonneau, on peut l'avoir, mais il faut l'avoir à vraiment au flanc du navire. Attends. Attends. Yes. Ouais, bien joué. Bien joué. Ouais, c'est bon. Oula, alors pourquoi je peux rejoindre aucun monde? Le tonneau, je suis triste. Il n'y avait pas grand chose dedans, il n'y avait que 4 trucs. Oh, c'est bizarre. Tout ça, ça va être beau. Allez, let's go. Attends. Merde, je suis tombé à la. Ah! Je voulais récupérer. Attends. Hop là. Je peux le faire. Je l'ai fait. Ok, alors attends. Hop là. Tonneau. Oh, une planche. Je vais relancer le jeu parce que je peux plus rejoindre ton monde. C'est quoi ce bordel? Oh, y a un bug. Ohé, ohé, capitaine, abandonné. Voilà, pour le coup, c'est tiré bon. La chanson. Alors, désolé pour l'écran noir, désolé pour l'écran d'accueil. Encore une victoire de canard. 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 Le tonneau là, je crois qu'il est trop loin. Attendez. On va essayer. Ouais. Ah, quoique. Ah, si tu l'as. Ouais. Avec une planche en cadeau. Youpi. Alors, pourquoi je. Ah, c'est horrible, on entend les gargouillis du ventre du perso qu'on incarne quand il a faim. Ah, c'est atroce. Ça me donne le malaise en vrai. Ah. Pourquoi j'arrive pas à rejoindre? Un double cheeseburger, s'il vous plaît, monsieur. Ah, mais. Essaye de m'en envoyer une invitation sur Steam, Torota. Et salut, Nayone, merci de passer sur mon. Contact. Ah mais des trucs, tant pis. Alors attends, eau de mer. Voilà. Merde, je choisis plus l'eau de mer, oh le con. Toc. Attends, remplir d'eau de mer. Eh ben pourquoi gobelet de mer, hein. Voilà, faire non ça va, j'ai deux message, fois regarder la partie. Ah oui, je peux pas visiter, c'est bizarre. Ouais, c'est comme si ta partie était bloquée en fait. Et du coup, je peux plus rejoindre. Eh ben, il a pas verrouillé quelque chose, Torota. Ah, ça s'est joué à plus. Le mot de passe. T'as mis le mot de passe ou Non mais je trouve même pas ta partie en fait, je peux pas lancer le rejoindre. Ah. C'est horrible. C'est quoi ça là-bas? Ah non, c'est une playstock. Mercredi. Comment ça se fait que... Oh oh, la houle revient, la mer s'agite à nouveau, attention, faut s'accrocher. Normalement, c'est Trio Pirate, le nom de la partie. Oui, oui, non mais c'est ce que je fais rejoindre un monde et en fait il me dit, il n'y a aucun monde. Ah. Bizarre. On peut pas passer hors ligne sur Steam entre temps ou un truc non, comme non, ça. Non, pas du tout. Ah, la roue m'en fout quand j'ai le pif dans le coffre. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Fais quand même attention à pas mourir sur le jeu. Sinon, le plus simple, c'est peut-être d'essayer de sauvegarder, de quitter et de relancer. Alors attends, j'enregistre, je quitte le stage et je reviens vite. Ok. Mais de toute façon, ça va le quitter aussi, hein, puisque c'est... Ah bon, d'accord. Adieu, monde cruel. Alors, je vous dis un peu dans le chat, parce que c'est tellement fou. Oh mince, il m'a eu, ça fait l'objet d'une citation. Je vais me mater avec une longue vue, par mon dieu. Je vais me mater sur multi-twitch. Ouais, bien, Dayonnay. Bien joué. Mais n'hésitez pas à comme aller ça. Voir. Faites pareil pour le sage. Enfin, je mets la pub à moi, mon truc en moi, texte. Vous n'hésitez pas, je vous ai épinglé les liens dans le chat des deux channels du sage et de Torota. Vous n'hésitez pas à aller jeter un œil. Hop, voilà, en même temps, tant qu'on y est, le sage de Nancy.
Alors, chargez mon dé. Ça, c'est The Riddler qui a créé le radeau. Oh, il y a un pendule sur son radeau. Waouh, je vois des choses. T'as l'autre, il a fait pousser carrément un panneau de cocotiers dans son radeau. Il est fou. Ah, mais tu peux faire des choses très très sympas hein, sur les radeaux. Hein. Ah, ouais, visiblement. Faire la Valérie d'Amido, c'est possible. Tu peux faire l'arbre de Noé aussi. Mais, ah, ouais, avec des énergistiques. j'ai rejoint le monde. Je vais normalement revenir. Ouais, tu vois, et là je te vois. Mais tout à l'heure, il y avait un petit verrou sur ton monde, alors je sais pas pourquoi. Ah, oui, je l'ai vu au début. Mais ça veut là, dire que tu c'est vois... un mot de passe. Ah, tu l'as lancé sans mot de passe, là, peut-être, ouais. Si, ah oui, peut-être. Ah, parce que ça m'a rien demandé, j'ai pu rejoindre. D'accord. Hop. Eh ben, quelle aventure. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la alors, chaîne. La ça nuit. Fait chaud au cœur. Bienvenue. Hop, bienvenue. Viens par ici, petit penaud. Je suis mouru dans le pilulu. Va falloir qu'on fabrique un lit assez vite, je pense. Un premier lit. Je pourrais tester avec le matelas avec tous les gens qui meurent. Pardon. Un lit mortuaire, quelle horreur. Non, mais c'est pas ça. C'est que si tu meurs et il y a quelqu'un d'autre qui peut te récupérer, te ramener jusqu'au lit pour te ressusciter en fait, sans que tu perdes de stuff ou quoi que ce soit. Waouh, il y a des systèmes de résurrection qui sont bizarres. Non, mais en fait, c'est pas. C'est comme dans Minecraft. Il te faut un lit pour. La pleine lune, qui est mort. Ouf, il a failli me croquer le coquin. Oula, il est fin, mais... Je viens de mettre une patate à cuire, va falloir attendre qu'elle a... Merci, monsieur. Voilà. Alors, le radeau, je pense qu'on va l'agrandir, mais seulement dans... De quoi Faut voir. Dans la hauteur, on va faire un gratte-ciel le temps, qui à un moment va basculer sur son centre de gravité, ça... on va tous couler dans le plus bas. Ah, le feu prend l'eau, au secours. Le feu prend l'eau. Oui. Oh, on a appris à faire un bougeoir. Ah, ça doit être sympa dans le jeu d'accoster sur une île et faire de la pêche sur la côte. Ça va être trop sympa. En violon de mer, ça va être très cool. Un jour, on aura un Club Med. Attends, j'ai mis quoi là-dedans? Je vois plein de poissons, je sais pas ce que c'est. On va faire le nouveau Costa Concordia mode raft. Ça va être magnifique. Oh, yes! Tu la vois, Torota, elle est pour toi. Je la vois. Alors, moi j'aime bien le sage qui est en train de mourir et puis d'un seul coup, yes, c'est bon, il est vivant. C'était exactement ça. T'as une patate là qui reste sur le. J'ai toujours sur le la grill. Patate, mon monsieur. Voilà. Hop, j'ai un autre truc à faire cuire si vous voulez. Voilà. Attends, vous avez dit tout balancer avant de mourir. Alors, tout balancer. Non, là... putain, mais j'ai fait. Putain. J'ai ramassé de l'eau et je l'ai vu de bon. Mer et je l'ai bu. Ok, c'est bon ça. Hop, je vais pouvoir faire ça. Attendez, je vais revenir c'est parce que là, je suis mis en fin de vie. Là. Je suis désolé. Il n'y avait pas des pas dans fin d'océan. Adieu. Oh, c'est beau. Je vois les dauphins. Ah, le requin m'a fait peur. Oh, c'est beau. Alors, je vais essayer d'avoir les deux tonneaux d'un coup. J'ai fait peur aux trois dauphins. Ça va être compliqué, mais je pense que c'est possible. Les dauphins vous suivent, les gars. Les quand dauphins. Tu nages, oui, et je sais pas si ça te protège pas du requin aussi. Ah bon. Ah. Hop. Voilà, j'éloigne un peu le squale qui me bouffe. Au moins vous êtes un peu peinard. Et je reviens. Un tonneau sur les deux. J'ai plein de ressources. Alors, je disais, je vais agrandir le retour. Le squale est déjà revenu. Alors, attends. Côté là. Hop, j'ai un truc qui servira pour un peu plus tard. Est-ce qu'on peut avoir un plus gros barbecue ou pas du tout? Oui, après on peut avoir monsieur des plus gros trucs. Non, c'est pas un ça, c'est que j'ai pêché un poisson. Ah bon? Oui, et le poisson, tu dois pas pouvoir le faire cuire pour l'instant. Non, pas pour l'instant, donc c'est pour ça que...
away, away, capitaine abandonné. Attends, par contre, effectivement, on n'a plus rien à bouffer. F, voyelle. Ça parle mal. 1, 2, 3. Ça parle mal du capitaine. 3, 4, 1, 2, 3. Il me faut du plastique. J'en ai 4 en plastique. Si oui, tu non, mais il y en a en réserve, c'est juste oh, que. Oh, il y a des mouettes. Ok. Il peut y avoir un gros albatros. Enfin, non, je vais prendre 4 en une. Ah, le requin attaque. Dis-le. Ouais, mais j'ai pas de. T'as perdu ta lance? Non. Non, j'en ai plus. C'est parce que. Je crois que je suis mouru, mais que ça. Ah, elle était en fin de vie. La lance. Ah, d'accord, oui, ok. Mais là, tu peux plus t'en faire une. Allez, hop là! Non, mais c'est vrai, je serais trop heureux dans le jeu quand je vais pouvoir mater avec une longue vue. Je vais passer ma vie. Alors, à faire de pour info, le requin ne peut attaquer que les bords du radeau. Hein. Il peut pas attaquer au milieu, bien entendu. Heureusement. Un peu court. Ouais, j'ai repris en tête. Hein. Oh, il est fort! Et voilà. Il est trop fort, c'est un retard. Je vais essayer oh, de terre. Okay. Si on a un vrai okay. Gros navire plus tard, je monte à la vigie, ce sera moi le mateur, obligé. J'adore. Je te ferai une vigie, c'est promis. Merci monsieur, merci Capitoun. Hop. Voilà. Ah oui. Ah, on a un troisième coffre, ça c'est bien. Vous l'avez vu, je suis déchaîné. J'adore le scénario. Alors, dans le troisième coffre, on va enlever ça et on va mettre ça et ça. Ah, pour ceux qui veulent boire. Et la patate, je te la mange tout message de suite. Message de fin 1992. Il va pas te faire une vigie, il va te N'hésitez faire le pas fort boyard. À boire là. Moi, j'ai 1 cm au-dessus du cran, donc là, je suis bon pour l'instant. Remplir d'eau douce. Pardon. N'hésitez pas à boire un peu quand vous pouvez pour. Ah oui. Voilà. GG. Ah, belle caisse. Ah oui, je vais placer des planches. Je l'ai. Voilà, comme ça cuit bien. Ah, j'avais dit je l'ai, hein. Oui, j'ai bien entendu. Occuper du tonneau aussi. Non mais sérieusement petit Seb. Oh merde le tonneau oui. Oh là oui, il sortait mal de le louper. J'avais même pas vu. Dans le jeu, il y a moyen de se poser sur une île et faire une base et on bouge plus. J'ai ouais, pas dit mais que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai dit est-ce qu'on peut le faire. Nuance. Tu peux le faire. Ah, ça me plaît. Tu peux le faire. Parce qu'il me semble qu'ils ont rajouté les constructions sur la terre ferme, hein, il me semble. Et ah, donc ça me plaît. À un moment. Me poser sur une île. Oh là là, ça me plairait à donf. Attendez-vous plus tard, dans le courant de l'année prochaine, une fois qu'on aura pas mal de matos, est-ce que je vous fasse un épisode 100% sur terre ferme. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire. C'est génial, j'adore l'ambiance. En plus, c'est beau. Oh, regardez-moi ce soleil, magnifique. Je vois une caisse, deux caisses qui vont venir sur nous. Allez, paf, on a nos quatre coffres, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, oui. Merde, faut que je fasse le côté, moi. Ah, j'ai pas fini. Ah, ça. À moi. Voilà. Ah oui, tu as raison, tu as le coup d'œil, ton retard, bien vu. Il y a du matos qui arrive sur nous. C'est énorme. Regardez-moi voilà, tout ça. Et puis moi, je m'occupe de construire pendant ce temps. Oui, ça construit. Moi, je récolte comme un fou furieux. Merde, loupé. Hop, à ta gauche, si tu veux. Boum, top. Ouais, chacun. Alors, il me faut ça étudier. Oh oui, la belle caisse pour ton rotin. T'as pas le droit de la louper, là, c'est trop précieux. Ça étudier. Ben, voilà. Attends, les betteraves crues, on peut les faire cuire? Oh oui. Lanterne oui. Oh, hop, j'ai mis une pomme de terre. Comment je fais cuire? Attends, tu récupères la betterave et tu poses. Voilà. Oh c'est trop simplement. Bien. J'adore. Ouais, la betterave cuite, ça nourrit bien. Oh un seau.
Professeur Petit Chef, le capitaine, il est trop fort. On va faire du Sea of Thieves. C'est quoi ça? C'est du rouge à lèvres? J'ai vu un truc rouge apparaître. Je sais pas à quoi le rouge à lèvres va nous servir en mer, mais... Je crois qu'on va vite apprendre des choses. Non, c'est l'atelier de peinture. D'accord. Parce que j'ai vu un gros truc avec un... Je sais pas, enfin, ça ressemblait à un tube de rouge à lèvres qu'on voit. Je comprenais plus. Ah, il y a un truc là-bas, il faut que je le chope. Au lieu de faire l'idiot, vite. Ah, le squall carré, c'est trop bien. Vite, piquez-le, je peux pas. J'ai le tonneau à gérer. Merde, j'ai loupé le tonneau, il est trop loin. Idéal, merci. Ah, celui-là par contre, il est offert. Je vais essayer de me lancer. Il est offert par la maison. Ouais, non, pour pas de restaurateur, il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. En plus, l'américain, là, ça permet de se poser un peu. Qu'est-ce que je peux prendre? Oui, moi aussi, qu'est-ce que je peux faire, moi, déjà, ce que j'ai sur moi? Ah, je peux faire un carré de terre, non? Ah non, ah si! Carré de terre moyen. On fait une agriculture ou pas? Bah oui, il faut. Alors, Oh la vache, ça prend de la place. Voilà, tac. Essaye de le poser. Trop tard. Bon, bah par là. je sais pas si. Coucou Aérostère, comment vas-tu? Salut Aero, bienvenue à toi. Bonjour Aero. Attendez, c'est dur le jeu. Excusez-moi, j'ai du mal à suivre le chat, évidemment. Il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Attends, moi je veux graine d'ananas. Mais moi c'est la bouffe que je veux planter. La bouffe d'abord. Voilà, ananas, c'est pastèque à venir. Alors. On arrose à sa mère ou... Ça va. Non, c'est avec l'eau fraîche qu'il faut arroser. Faut arroser. Ouais. Sinon, l'eau de mer ça marche. Ah, d'accord. Alors, ta plante c'était une pastèque et un ananas. Oui. Ok. La bouffe d'abord. Hop là. Les crèftes, tu les as pris en commande d'ailleurs. Merde, j'ai mangé le. En fait, c'est avec l'établi qui est là. Donc, l'établi qui est là, en fait, quand vous avez un nouvel objet, vous le mettez dedans. Vous en mettez un dedans, vous faites étudier, ça consomme un objet. D'accord. Et du coup, ça vous débloque des recettes à apprendre. Si vous allez dans l'atelier, en fait, vous avez, par exemple, pour le crochet en métal. Alors, tu verras après parce que je suis dedans. Ouais. Excusez-moi. Ah, c'est l'aise. Il va falloir qu'on fasse ça avec la pierre, voilà. L'histoire est intense. Ouais. Faut vous refaire une lance, si vous pouvez. Il faut protéger les cultures des mouettes, parce que les mouettes bouffent les cultures. Ah merde! Ah, c'est génial, c'est vachement cohérent. Et les mouettes te balancent aussi des pierres sur la tronche, donc... Pardon? Non, les mouettes ne lancent pas de pierres sur la tronche. C'est pas eux? Bon, par contre... ouais, non, les graines de fleurs, machin, tout ça à la poubelle. Ah bon? Plus tard, on en récoltera pour faire des colorants, des machins, mais pour l'instant, on a besoin de la place. Hop là. Il va falloir que je vide mon panthère là. Ouais. Donc j'ai fait un coffre planche et plastique, un coffre feuilles et cordes. Ah là-haut. On a un coffre vide qui va servir pour la bouffe et pour moi mettre mes affaires parce que je vais crever. Ah mais attends, si tu veux pour la bouffe, attends, zut. C'est lequel le coffre de la bouffe? C'est celui-là. Celui vide, ok. Ouais, celui où il y a mes affaires dedans. Attends, je suis pas sûr d'avoir Le coffre. Voilà, déjà il y a de quoi. Plus tard. Au niveau des tac. Vampire de mousse. Ah voilà, je peux voir. Voilà, merci. Je t'en prie. Je suis en train de m'empêcher. Ah, je me sens mieux. Vous n'êtes pas forcément obligé de ramasser des feuilles, pour l'instant on en a plus besoin. Ah, le coffre est plein. Et faudrait se concentrer sur le plastique. Bonjour Tunsen, il y a du matos qui arrive. Il y a une caisse, j'ai pas peur de la louper. Oh là là, il y a du matos, ouais, mais ouais. Gogo.
C'est pas grave. De la caisse. Il me faut tout plastique. Allez. Voilà. Hop. Ah, deux cordes dans le tonneau, trop bien. Ah, j'ai posé tout ça à l'arrache parce que je vais crever dans 3 secondes. Ok, Le problème c'est que c'est pas l'eau, c'est que j'ai plus de bouffe, hein, vraiment. Donc, Moi je peux faire plus une pomme de terre, mais une barre de l'huile. Bah là, il y en a, les deux sont libres. Hein. Dès que vous avez un truc à faire cuire, faut le faire cuire. Hein. On le fait cuire, dès qu'il est cuit, on le met dans le coffre d'à côté, et puis comme ça, on va y arriver. Le requin est en train de manger le radeau. Où ça, il est où le mien? Trop tard. Waouh. 3, 2, 1, je suis mouru. Je plonge dans les profondeurs, voilà. La pique dans le cululu. Ah, bonjour Adjay. Oh le bordel. Le requin est avec moi, il me niaque les fesses. Hop là. Oui, deux tours. Oh, terre en vue. Avec un peu de chance, on va percuter l'île et on va s'échouer dessus. On percute jamais les îles. Ah merde. Enfin, pas comme ça, parce que là, le radeau, en fait, il suit la marée. Et donc, la marée te fait pas aller sur l'île. Oh. Ah, vilaine mouette. Pour apprendre un truc, il te faut vraiment la totalité des objets, c'est ça? Eh, qui c'est qui a piqué mon crochet? Bande de voleurs. Ah, c'est peut-être moi, je sais pas. Attends, je regarde. Non, j'ai pas de crochet, c'est pas moi. Je n'ai pas non plus. Je n'en ai qu'un. Ah, les bâtards. Ça, en fait, ça a considéré que j'avais mon stuff sur moi alors que j'avais tout posé dans le coffre. Ah bon? Ouais. C'est cruel. Donc on a plus besoin de que... Je vais aller sur l'île rapidement. Tu y vas? Ok, vas-y, t'en vas. Récupère un max de trucs au possible. Ouais, bien joué. Attends, je vais sur le côté, moi. Attendez, on en est où dans la flotte et dans je sais pas quoi. Empire de Russe. Ah oui, alors je peux boire. Attendez, je bois un coup. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Ah voilà, je rajoute une planche. Non, c'est bon. Alors, Torota, attention, on est aux zéniths de l'île. On va que tu reviennes sur le radeau. Ouais. Oh, voilà. Alors, voyons voir ce qu'on peut construire. La houle arrive, vite, la mer est agitée, vite, Torota, c'est dangereux. Rejoins-nous, vite, cette option-là. Faut s'accrocher à nous. Arrêtez. Il y a des tonneaux qui arrivent. Voilà. Ouais, mais il t'arrive de face. Alors, voyons, qu'est-ce que j'ai. Alors, j'ai ramené pas mal de belles choses. Je sais pas. Parce que j'ai graines d'ananas. Oh, c'est bon ça. Ananas et graines bleues. Message de FunFan 1992. Est-ce que vous passez tout votre temps sur un radeau ou un moment vous pouvez aller sur une île? D'accord. Oui, à un moment. Mais c'est ce que je dis. Ça sert surtout pour faire des colorants. Donc du coup, pour l'instant, on en a pas besoin. On en est pas à faire la Valérie d'Amido. Hein. Ça viendra. Oh, je vois le cache. Même les fleurs en général. Oui. Okay. Pareil, il y a un moment où il nous en faudra, mais à ce moment-là, on aura assez de trucs pour garder. Alors, je mets ananas dans la nourriture et graines d'ananas dans les trucs de nourriture. Comme ça. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que... Ah, il y avait de la bouffe dans la caisse. Il faut que je gère la bouffe. Voilà. J'ai 3 betteraves à faire cuire. Mais c'est vous. Bah, les trucs sont prêts, hein, tu peux... Ouais, grosse caisse, factule. Toi aussi, il y a du bon matos dans ta caisse. Ouais, j'ai reçu pas mal de planches, de feuilles. Ça va être sympa. C'est bon.
Hop là. Attends, je fabrique un truc. Bon. Alors, ouvrir. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je pense que c'est devenir faible. Ah, merci. Qu'est-ce que je peux... Pardon. Pote à moi. Hop là. Ah ouais, j'ai pas mis les pieds dans l'eau, je me fais déjà bouffer le cul. Je vais mourir. Ah bon, toi aussi. Je vais. T'as deux trucs à bouffer hein, qui sont prêts là. Oui, ça cuit sur le barbecue. Ah oui. Attends, moi aussi j'en récupère une parce que. Et l'ananas peut se manger directement. Hein. Ah, c'est beau. Attends, j'avais un autre betterave à faire cuire. Il va falloir que je refasse ma lance parce que je l'ai pété. N'hésite pas à mettre les trucs à cuire même dans le petit coffre à côté là où il y a déjà les poissons, comme ça on peut, n'importe qui peut le faire dès qu'il voit que le truc est cuit. Là, alors là. Je vais apprendre les clous, étudier. Donc, on va pouvoir faire... Il y en a faire... un baril. Ne t'échappe pas. Voilà. J'ai eu encore... vous avez et... appris épouvantail. Vous avez appris... Ah, ça va être trop cool. Mais comment t'as fait pour apprendre? Il te faut vraiment tous les objets pour... Non mais en fait, quand tu regardes la liste d'objets, ceux qui sont encadrés en vert, c'est ceux qui ont déjà été étudiés. D'accord. Et donc il reste plus qu'à étudier les autres. Ah ok ok. Ah c'est pour ça, je... Oui vas-y. Je comprenais pas, donc oui il faut vraiment continuer à découvrir tous les objets. Oui, tu les étudies un par un et puis ça va te débloquer tout petit à petit. Ok. Hop, je prends celui de gauche, t'inquiète. Putain, c'est un jeu de fou. Mais oui. C'est extraordinaire. C'est ça qui est bon. Ah oui, merci. Ouh, ferraille, pomme de terre. Pomme de terre à cuire, à cuire. C'est bien de mettre des trucs à cuire, mais s'il n'y a plus de planche en dessous, ça va pas le faire. Oui. Ah oui, place les planches, oui, tu as raison. Hop là. Alors. Alors. Alors, maintenant que j'ai fait les clous, je peux faire quoi? Si, je peux faire ça. Il va nous falloir du sable et de l'argile. Ouais. Il va falloir qu'on s'arrête sur une île. Ah. Alors, qui c'est qui est en alerte bouffe? Moi, c'est mon cas. Moi, je suis pas loin, mais j'ai mis deux betteraves cuites hein, dans le... D'accord. Oh, y a un tonneau. Donc, tu peux en prendre une dans le coffre, là. Merci. Oh non! On l'a eu! GG! Hop là, il y a une betterave que je vais aller faire cuire de suite. Il y a une caisse qui va s'offrir à nous. Voilà. Alors attends, moi il me faudrait de la bouffe. De la bouffe. Hop, on va se rapprocher au maximum. Oh, le hop là! Magnifique! Magnifique! Oh, une pomme de terre crue, vite, faut que je la fasse cuire. Alors ça c'est à moi. Ah, ça régale bien là, ça y est, on commence à bien, on rajoute des planches, bien comprendre le système. Ah, c'est énorme, j'adore. On lance de mieux en mieux. Oui. On joue comme des alors, chefs. Qu'est-ce que je peux crafter? Yam. Alors l'eau, elle cuit l'eau. Alors justement, tac, ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut qu'on fasse le lit. Il faut qu'on fasse absolument le lit. Donc il nous faut trois clous. C'est bon, je m'en occupe. Oh, c'est merveilleux, je récupère des feuilles. C'est moi ou il n'y a plus de requins? Ça c'est bizarre. Pourquoi je n'ai pas eu à vue depuis une minute? T'inquiète pas, la mer se fait discret. Pour mieux nous attaquer après. Ah, alors c'est bien, on a récolté notre première pastèque et notre première ananas. Oui, je les ai récoltés, je les ai rangés déjà. C'est énorme. Hop,
Est-ce que j'ai de la bouffe à faire cuire? Pas sur moi. Est-ce qu'il y en a dans les coffres de la bouffe? Il y a les... Attends, je rajoute des planches dans les barbecues. Il y a une pomme de terre cuite pour ceux qui souhaitent la manger. Moi, ça va. Hop, wow. Donc j'ai mis le lilas là, à côté du... de le... La castagnole, je peux la cuire, la castagnole. Oh, du maquereau. Oh, je veux cuire du maquereau. Là, faut qu'on tombe sur une île. Là, c'est le maquereau cru. Oh, je gère la bouffe, là, je m'improvise cuistot. Oh, du saumon. Oh, on va se faire des toasts. Quelqu'un a peur. Et level up pour faire. On n'y est pas encore à se faire des toasts dans le stage, hein. On n'y est pas encore. J'avais à venir, je sais. Ce jour arrivera. Doing. Alors, ensuite ça, 2, 8, 6. Alors, il va me falloir beaucoup de planches. Oh oh. Toutes les feuilles qu'on a. Oui, des planches. Il disait quoi, capitaine? Il faisait la discours. Merde, j'ai plus de planches. Ah, je peux t'en donner, j'en ai plein. Passe en dessous. Attends. J'en ai. Tac, impeccable. Alors, tiens, hop, comment ça, impeccable? Je t'en donne plein là. Bon bah c'est pas grave, j'ai laissé les 20 planches sur le radeau. T'inquiète pas, je suis à la mer. Le sage, t'as un tonneau qui arrive bientôt, le sage. Ok. La 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 vie. Il est où, salopin? Il y avait quelque chose. Ah. Oh, vite, le tonneau. Merde, je l'ai raté. Attends, j'ai tiré le... Oui, des planches, corps plastique. Tu prends quelque chose à manger. Non, là j'avais. Allez, le requin, repars au bateau. Ah oui, tiens, je gère la cuisine. T'as... Oh putain, je suis con, je suis allé là, il faut pas que je meure. T'as du maquereau cuit dans le barbecue si tu veux, petit Seb. Fais-toi plaisir. Non, mais je suis pas sur le radeau. Ah merde, c'est moche. C'est muche. Ce que j'espère, c'est que le requin s'est barré. Ouais, il a l'air de s'être barré. Place. Ah, le poisson est tellement grand. Oui, il passe pas sur le truc. Il faut qu'il y en ait un. Faites gaffe parce qu'il y a les mouettes qui sont autour, donc il faut leur faire peur si oui, jamais elles descendent sur les cultures. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me gérer moi? Parce que je sens que je vais crever et qu'il va falloir me récupérer parce qu'il faut pas que je meure vu ce que j'ai sur moi. T'es où? Je suis dans votre dos. Oh. Dans. Je suis à ta gauche, légèrement. Là, en face de toi. Attends, j'ai rien d'autre à faire. Ouais, mais là, j'ai plus beaucoup de nourriture. T'es comment, le sage? Ouais, enfin, là, la prochaine fois qu'il me croque, je meurs. Ah, merde. Ah oui. Ah oui, ok. Bon, mais c'est un pitch. C'est bon, mais je go. Non, mais attends. Voilà, bah là, il faut que tu me récupères et que tu me ramènes au radeau. Tu m'as récupéré, là? Ouais. Pour ce temps-là, je mange, je bois, tranquille, j'ai la belle vie. Et tu me ramènes au radeau et tu me poses dans le lit. Ok. Oh, le joli petit lit. Ouais, y'en a dedans. Allez, avance. Allez, Torota, tu peux le faire. Allez, j'ai la survie. Allez. Bah, j'espère qu'il va y arriver, parce que s'il y arrive pas, c'est à toi de venir, le sage. Oh non. Allez, si les trois montés sur le radeau, essaye de passer sur un côté. T'es presque. Ouais, allez, le sage, viens me récupérer. Je te l'ai dit, quand t'as quelqu'un sur le dos, t'es ralenti, faut monter sur le côté. Attends, je vais le prendre de face. Le radeau. Ah, punaise. Hey, punaise, salut. Comment vas-tu? Ouais, si proche. Il est un PLS, le capitaine. Ouais. Non, parce que je suis allé récupérer, il y avait un coffre flottant là, sur un truc qui coule. Donc je suis allé le récupérer, j'ai eu des ressources importantes dedans, dont de la colle, que je vais pouvoir étudier. Mais surtout, j'avais déjà crafté une encre sur moi. Oh, je voulais pas la perdre. Tu m'étonnes. Mais c'est ça, les sauteurs extrêmes, c'est ça, Christella. Non, mais on a les chocottes, je sais pas si c'est leur santé. Je la mets dans le coffre de bouffe. Là. Hop là. Ah, oh, mais j'ai une recette de smoothie aussi. J'ai le look. On va se péter l'estomac. J'ai le look.
S'il y en a qu'on faim, il y a un radis. Essayez de vous concentrer sur le bois en masse, parce que je vais en utiliser pas mal. Là, là d'un coup, là, bah, ça va tomber. J'ai 25 planches, 1, moi. 2, 3, 4, mais 5, faudrait que j'en réserve 6, 5 pour les feux de barbecue. 6, oh, loupé. 6, ouais, 6, 36. Il va me falloir 36 planches. Bah, l'encre jetable, tu peux la décaler au pire. Hein. Tu peux la mettre dans le coffre des pierres, là, juste derrière l'établi. Attends, ça, je peux le faire. Hop là, ça se régale. Génial. Va vraiment falloir qu'on s'arrête sur une île. Ah bon ? Bouteille vide. Oh. Beaucoup mieux que le gobelet, parce que ça permet de. Tu peux remplir 3 doses d'eau dans ta bouteille. Il va nous faire du soda. Rota qui attend le la caisse. Oh 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 oh, l'encre elle est où? Vite. Oh, on a tué un requin. Il y a un requin qui est mort, j'ai eu un succès, un requin mort. Ça vaut le coup de ramasser la dépouille du requin? Ouais. Oui. Ouais, il faut pas la ramasser jusqu'au bout. Ah bon? C'est con, j'aurais pu l'avoir avec le crochet, je crois. Ouais, non mais tu peux pas la ramasser, tu peux pas le ramasser comme ça. Ok, petit Seb. C'est pour ça que j'ai jeté l'encre. Hein, oh. Tant pis. En fait, il faut récolter. Et une fois que t'as récolté 4 morceaux de viande, tu t'arrêtes. Oh. Pourquoi? Parce que si tu vas jusqu'au bout, bon, tu récupères la tête, c'est très stylé. Tu peux avoir une tête de requin sur la tronche. Trophée, ouais. Mais si tu la récupères, il respawn plus vite. Oh. En fait. Et tant que son cadavre a pas disparu, le requin ne respawn pas. Ah, oh. Malin. Alors, ah bah alors attends, du coup. Oui, du coup, vous pouvez plonger et récolter un peu tout ce qu'il y a autour du bateau à la nage. Bah allez-y, moi je gère le navire avec le miam et tout ça. Attendez. Wow, il y a déjà de la place. Pardon. Attends, c'était où les corps? Parce que des corps, j'en ai beaucoup aussi, j'en ai 7. Attends, je suis parti loin là, non? Le requin. Alors, Attends. Attends, moi je peux gérer ça. Attends, moi, il me faut de la corde. La corde, c'est là. Alors, je vais enlever ça. Et... Hop, je ah, je vais me faire plaisir. Alors, bon, elle est bonne plus... Ah, elle est vraiment très très bonne. Là, six fois 8, 48. C'est une terre montagneuse, là. C'est très très haut, on dirait des gratte-ciels naturels. Je vois un énorme truc d'île. Ouais. Je vois des choses. Mais non, mais je voulais pas, oh mon dieu. Attendez, je réfléchis. Eh ben, vu... Pourquoi ouais. Les planches sont là? Bizarre. Elles sont où? Capitaine, pourquoi vous marchez sous le coffre? Ouais, c'est pour voir à l'intérieur, ça va mieux. Oh mon dieu. J'ai entendu des mouettes. Je vais faire un stock monumental. Il y a une étrange île. Le chef cuistot, il veut pas regarder si... Le chef cuistot, il regarde, oui. Si les trucs ont poussé, là. Alors, est-ce que ça a poussé? Récolté. Oui. Il va falloir remettre des gwen. Alors, les t'en as pas eu en... C'est bien. Attends. Ah oui, tu as raison. J'ai de la graine de pastèque à planter. Par contre, la nana, je l'ai dans le cul, lui, apparemment. Attends, ouais, mais ça c'est dommage parce que c'est l'ananas qui nous intéresse le plus. Ah alors attends, je prends dans la réserve des graines d'ananas et je plante. J'ai fait chef. J'ai fait capitoune. Ça et maintenant il me faut... Bon je fais mon vilain, je garde jalousement la pomme de terre cuite parce que j'ai envie de manger une pomme de terre cuite. Et puis de toute façon pour moi c'est le temps de manger. Vu ma barbie. Oh la vache, le jeu il est d'une cruauté, c'est extraordinaire. Ça déconne zéro. Je peux ranger mes planches dans le stockage. Hop là, 20 de plus. Bon. Hop. Oh, ça fait du bien d'être un peu posé. Oh. Alors. Hop. Impeccable. Tac.
Y a plus de monde à faire. Tu veux du bois, le petit Seb? Non. Plastique. Tu bois, corde et. Mais plastique, j'en ai une blinde si tu veux. Ok, des détonations. Hop, c'est hop. Tiens, le plastique. Mais range-les dans le coffre, hein, Toronto. Alors, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez fait le tour, je relève l'ancre. À quoi servent les filets que t'as mis? On va avoir des homards? Non, en fait, tous les trucs qui vont arriver de face au bateau vont s'attacher dans les filets. Il y aura plus qu'à ramasser. Ah, c'est un récolteur. Oh, c'est génial. On est une moissonneuse des mers. J'adore. Ah, j'ai trop bien. D'ailleurs, je bois un coup en vrai parce que j'ai soif en vrai. Voilà, voilà. Après, à voir comment on fera le bateau, etc. Mais... Là, dans un premier temps, je fais ça comme ça. Non. Ah, mais c'est parce que j'ai plus de bois, sur moi. Dire, du coup, quand on me dératait, j'ai l'impression que tu fais de faire la danse de la pluie, là. Ah, oui, 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 oui. Ah, et du coup, je les entoure de sol pour pas qu'ils se fassent bouffer par le requin, parce que ça coûte quand même cher à faire. Ah, d'accord. Donc, ouais, c'est très, très précieux. D'accord. Ouais, mon matos c'est pas mal. Alors, on est où avec. Alors, attends, maintenant que t'as dit qu'on pouvait faire des bouteilles, est-ce qu'on peut pas faire un réservoir d'eau? Tu sais qu'on gère bien l'eau douce et qu'on ait un réservoir d'eau douce? Pas ça encore. Ah merde. Ça se fait, mais on n'a pas encore les ressources. Mais ah, parce que c'est ce que je te dis, là, en fait, la bouteille, l'eau douce, t'en fais une fois, tu récupères dans la bouteille, deux fois, tu récupères dans la bouteille, trois fois, tu récupères dans la bouteille, et t'as trois d'eau douce en réserve. Oh. Et tu gardes quand même ton gobelet pour prendre l'eau de mer et mettre dans le. Dans le truc pour filtrer. Comme ça le gobelet tu t'en sers pour l'eau de mer et la bouteille tu mets tes réserves d'eau dedans, mais tu peux en avoir 3 doses en réserve, du coup c'est beaucoup mieux. Ah, tu mets c'est beaucoup mieux. Oh. Voilà, mais c'est après c'est il y a encore mieux mais Oh là là. Non, on est divulgage pas te plaît. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce que tu veux rester encore un petit peu ici? Oui, c'est bah étant donné que je vois plus la carcasse du requin. Peut-être mieux se remettre à bouger. Ok. Paf. Et voilà, on a plus d'encre. Allez, moi je commence à crever de faim. Je vais peut-être mourir. Mange un truc. Mais faut qu'on tombe sur une île là. Absolument. Okay. Alors, parce qu'il nous faut du sable et c'était quoi l'autre? Pardon. Je vais provoquer ma mort parce que pour voilà. Il du sable est argile. Je vais ressusciter. À tout de suite. C'est très bizarre comme système de jeu, mais. T'aurais dû prendre un ananas, le sage. Ça remet de la bouffe et de la soif. Oui, bon, c'est trop tard. Hein. J'ai quitté le navire, moi. Je rejoins le grand bleu. Essaye d'aller le plus profond possible. Ah bon? Vous avez pas mis d'eau douce sur le. La nage. Alors que je suis en pleine asphyxie, c'est horrible. Voilà, y a des merdes dans l'eau, vous avez pas idée des merdes qu'il y a dans l'eau. Mais même. Mais t'es dégueulasse le sage, t'aurais pu faire ça ailleurs. Mais je suis désolé, je vois des bulles. On dirait des gros asticots, je sais pas quoi. Oh la vache, mais il y a un kilomètre de profondeur dans le grand bleu là. C'est vrai de vrai, ça déconne zéro. Allez-y, je ressuscite. Faudrait peut-être qu'on se fasse un coffre de plus pour. Je me réveille. Là, les petites boîtes là, comme ça, là que vous récupérez là. Regardez, je l'ai dans les mains. En fait, il suffit de cliquer pour l'utiliser. Et quand c'est utilisé, pouf! Ah! Mille à faire. Ok! Oui, c'était cadeau ça. Tant qu'on voit pas le requin, on peut plonger pour récolter. Hein. Ok. Alors, le sage, ramasse pas, regarde juste derrière toi, ça va arriver dedans. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié le principe, pardon. Je me fissure. Il n'y a pas de soucis. Ah, regarde. Regarde, une planche. C'est beau. Je sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 objets qu'elles peuvent récolter, celle-ci. Ah non, mais c'est sympa. C'est alors, très sympa. La bouffe. Ananas. Effectivement, il y a une grande île. C'est comment le carnet déjà? Ah, moi j'avais programmé une touche moi pour avoir le carnet et il y avait une photo d'une jolie dame dedans. Les copains et moi. Moi j'ai les copains et moi. Oh. Pas besoin de ramasser.
Oui, et puis dans le bouquin, t'as les consignes de base. 1. Ton radeau est ton foyer, ton grappin est ton ami. 2. Si ton radeau se brise, reconstruis-le. Si tu égares ton grappin, fais-en un nouveau. 3. Si tu as l'impression que l'océan est interminable, c'est que tu n'es pas suffisamment attentif. 4. Rien n'est impossible si tu récupères les bons objets. 5. Suis les fréquences radio, si elles émettent, ça veut dire qu'elles sont hors de l'eau. 6. D'autres sont venus avant toi et d'autres leur succéderont. Assure-toi de laisser une trace. 7. Le monde a disparu, mais les histoires demeurent. Rassemble-en un maximum. Et pour l'amour du ciel, fais attention aux requins. Ça, je pense qu'on l'avait deviné. Je l'ai dit commandement. Bonjour Tomouf, comment ça va Tomouf? T'as vu, je suis naufragé. Plutôt les 7 commandements pour l'occasion, mais... C'est rigolo. Je récolte des choses. Ah, vous avez mis le requin à cuire. Oui. Bah oui, non, mais la mouette, ça va bien de te poser juste devant moi. Saleté, va. Les barbecues tournaient pas, alors c'est dommage, on perdait du rendement de miam. Ça, c'est étrange. Comment qu'il va, l'ami Tomouf? Quelle gentillesse, je le rappelle, de déposer souvent des annonces de jeux gratos dans le Discord. Ah, le retour toi, du requin. Ah oh, le retour des dents de la mer. Fais aller. Ah, c'est pas la top forme, Tomouf. Oh. Bon, bah, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Eh ben. Bon, ah, c'est bon, j'ai eu la caisse. Change les idées, Tomouf. T'as vu, c'est le boxion sur le radeau. Waouh. Et attends, il y aurait de la lumière qui émet sur le sommet de l'île. J'ai l'impression de voir de la lumière. Oh, vous avez il y a de la lumière. Il y a des choses mystérieuses. Ah putain, il y a un truc là-bas. Faut que je refabrique une encre. Il y a un mystère là-bas au loin. Mais c'est pas pour et nous. Comment maintenant. L'encre ce sera Il me manque 4 mystère. Cordes. Il y a des choses. La 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 la. Voilà. Wow, trop bien les récupérateurs de matos. J'ai eu une feuille de palmier et 3 planches d'un coup. C'est trop bien. J'adore. Il me faut vraiment à bouffer. Ah bah du requin. Très bien. Ah mais oui, manger steak de... Mais c'est bien. Ah, pourquoi il y a un barbecue qui est pas utilisé? Barbecue. Ah merde, merci, fallait monsieur. Ouais, fallait mettre les bon, la viande de requin est plus longue à cuire que les petits légumes hein, par contre. Oui, mais ça remet bah, bien ça plus. Mais ça doit mieux nourrir. Oui, oui ça remet bien bien plus. Oh, le tonneau qui va arriver directement dans le filet. J'aurais pas dit ça, je le voyais plus sur la tranche. Ouais, dans les mains à Torota, mais c'est triste. Mais, tu sais, des fois tu fais autre chose puis tu reviens. 1 2 3 tonneaux. Ouais, OK, cool. Merci. Ça m'étonne que c'est cool. Alors, Tomouf dit suggestion de Raid, le sage, la chaîne de Antistar qui diffuse des expos de games à Reims. Antistar, ok, faut que je retienne Antistar, merci pour la suggestion Tomouf. Mais je sais pas si je ferai un relais de chaîne aujourd'hui, excepté évidemment à fin tout à l'heure pour l'épisode commenté, et la fin de Sous un ciel d'acier. Mais Antistar, oui, faut que je le mémorise, merci Tomouf. Une expo, ok. Ah, peut-être qu'on ira voir à midi, tiens, ma pause déjeuner. Oh, je sais pas, on verra. Mais je retiens, Antistar, merci Tomouf. Là, à mon avis, on joue à Rav jusqu'à 13h. Une île. Encore une heure et demie. Facile. Alors. Ça c'est fait. On a fait les finés, on a fait le stockage, l'établi, le lit, ça c'est fait, grappin. Hein. Et quelqu'un a fait une hache du coup ou pas? Non. Je peux te la crafter. Non, mais ça presse pas, mais c'était juste pour savoir. Ouais, c'est bon, je l'ai fait. C'est bon, je l'ai. Oh. Lâche, t'ai dit. Mais je t'ai dit lâche. Excusez-moi. Attends, en même temps, il faut 3 coups de lance hein, pour le faire lâcher. Oui, alors. Pour piquer le museau. Ah, ça ira mieux quand on aura la suite. Il diffuse en tout le week-end, ok. Donc je vais lui faire un relais de chaîne, bah peut-être d'ailleurs ce soir quand j'aurai fait les bibis, tu vois, par exemple, Tomouf. Merci de la suggestion, tu as très bien fait. Je prends. Yahoo! Ah bah ok. Oh là là, le capitaine il est tout fou, il est hardi. Et je me suis même pas fait niquer les fesses.
Le capitaine est suicidé. Alors, mais non. Téméraire, téméraire, s'il te plaît. Oui, j'allais dire. Ah bah non, le steak ça va être pour moi, j'ai encore jamais mangé de requin. What? Et il y a full tonneau là. Il y en a 6. Attends, il y a attends, faut vider les filets là. Attends, puis moi je gère la cuisine, moi, excusez-moi. Tu fais qu'on pouvait l'attraper du bateau. Attendez, je me suis fait niaquer le. Oh la vache, ça me fait bien le requin. 3 tonneaux. 4 tonneaux. J'en ai ramassé 4, c'est bon. J'ai le 5ème et le 6ème. Le 6ème, je l'ai aussi. Voilà. Et eh ben ça, ça régale bien là. Ouais, exactement. Oh la houle qui revient, la merde s'agite. Ah merde, il n'y a plus de planche pour le baroque. Oh attends, j'en ai sur moi, j'ai, t'inquiète. J'ai géré. Dès que j'ai... Parce que les planches, on en a, je sais pas combien en réserve, oui, on a 5 stacks, bien, j'en ai encore 2 sur moi. Non, parce que je vais être vilain, je me réserve la bête. Et il ah oui, c'est vrai que ça marche comme ça. Ouh, ça passe. La graine d'ananas. Va falloir qu'on se fasse un autre coffre, je crois bien. Je peux te faire ça. Fais-le si tu peux. Alors on évite de placer sur les sur les planches du bord, bien sûr, parce que si le requin casse la planche. Ça la fout mal. Bah tu perds tout ce qu'il y a dessus. Hop là, je vais le mettre là, derrière le. Voilà, c'est bon. Et sinon, comment vont les collègues? Yukine vous demande. Bonjour Yukine. Ça va bien, merci. Ah, à part que la houle me fait un peu un effet gerbeton. Et là, je remue dans les. C'est l'horreur. Hop, là, je mélange tout pour l'instant. C'est histoire de faire un peu de place dans l'inventaire. Ah oui, je voulais refaire une encre. Alors, l'encre. Il me manque. Et je prépare. D'accord. Je me repasse. Ah, j'ai des choses. Et Lucifer. Ah oui, mais le but c'était pas de mettre tout ça. Moi j'ai tout mis. Tac. La corde, non, là, ça, là. Ah, mais y en a partout, les gars, on peut mieux, s'il vous plaît. Oh, il y a du matos qui arrive, alors que le jour se lève. Hop là. Je te laisse. Cette caisse, elle est à moi. Moi, je veux tout plein de matos. Il y a de la bouffe. Je coupe de la bouffe. Vite, cuisson. Cuisson bouffe. Essayez de toujours garder au moins une betterave et une patate crue, s'il vous plaît. Ah bah j'en ai une crue. Tiens, je vais la ranger alors. D'accord. Ah, ok, il faut que je parle plus fort, ouais. Pas de soucis. Charmière. L'hélicoptère, n'oubliez pas l'hélicoptère, c'est merveilleux. Comme je suis et dans les pensées et sur. J'adore le principe. J'espère que vous ennuyez pas en tant que spectateur, mais moi en tant qu'acteur, vous avez pas dit à quel point je prends mes pieds. Je m'éclate comme un gamin. Ah, de rien, pas de soucis. Ok, bête face. Fais attention à pas mouiller sous le bureau, hein, le sage, parce que. Non. Oh, ça doit être juste inondé, mais ça. Le requin. Comment ça, requin? Où ça, requin? Vilain requin, piqué requin, bravo, capitaine. Trop tard. C'est pas grave, ça se répare, capitaine. Je vais. Allez. Oui. Et vous faites attention, je mets l'ancre là, juste devant. Oui, capitaine. Bien, capitaine, à vos ordres. Juste qu'elle se fasse pas péter par le requin avant qu'on atteigne une île.
Le capitaine veut se taper le requin. Je vais faire. Donc il me faut deux cordes. Ouais. Pour en faire une. Je vais être un peu dans la mouise. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te manque? Je voulais un beau cigare à la fin du jeu. Après, t'arrives sur une grande île et tu deviens dictateur. Tropico! Hey voilà. J'ai ce qu'il faut pour ça. J'ai ce qu'il faut pour ça. Ok. Il ne reste plus qu'à trouver une île à voir et ce sera bon. Oh non, il n'y a pas de nourriture dans le tonneau. Oh, qui c'est qui fait des châteaux de sable? Il y a un seau sur le radeau. Pourquoi il y a un seau? Mais c'est l'encre. Ah bon? Ah d'accord. Oh, drapeau. Joli. Et étagère. Waouh. Wow. Ça c'est joli aussi. Tu l'as vu? Parce que les étagères de base c'est de la déco, mais on peut les utiliser pour mettre deux coffres l'un au-dessus de l'autre. Normalement. Oh. Allez, ça revient. Oui. Ouf. Ah non, pas bouffe. Ah, par contre, j'avais une corde. Faut que je la rende. Je suis dans la merde inter, c'est les... je suis en train de mourir de faim, moi aussi. Non, t'inquiète pas, j'ai de la viande de requin. Ok, pas de soucis. Il va falloir refaire élargir le radeau et rajouter des containers parce que là, mon inventaire de sature. Mais arrêtez de ramasser ce qu'on n'a pas besoin. Là, les planches, on est plus que bon, le plastique aussi. En réalité, tout ce qui nous manque, ouais, faut vraiment qu'on trouve une île en fait. Si ce qu'on peut faire. Ah, attends. Ça serait pas au moins un style, une voile pour qu'on puisse se diriger un truc comme ça. Parce qu'il y a une île là, je vois juste à droite. On y va. Deux tonneaux qui arrivent sur le côté. Ah, mais le capitaine a une heure. Ah, c'est trop loin. Je vais me faire. C'est pas grave. Je gère la bouffe et la flotte. Merde, c'est pas encore prêt la menace. Alors maintenant je peux désinfecter l'eau. Rien à faire pire. On garde une bête partout, la vie des capitaines. Allez, rame plus vite. Bon, c'est vrai que le bateau est un peu large pour moi qui rame tout seul, mais. Il a déjà faim, le salopio. Qui c'est qui me jette l'encre, s'il vous plaît? Torota, tu sais jeter l'encre? Je sais pas faire. Allez, du tout. T'appuies sur eux, ça la prend, et ensuite tu cliques et ça jette le seau et ça voilà. L'encre, on la met là-bas. Voilà. J'ai fait tomber le seau, donc je crois que ça marche. C'est bon. Oh, donc là, on est arrêté. On est à quai quasiment, c'est beau. Fais gaffe au requin. Attention, squal. Je vais lui piquer le cul. Vilain squal. Dans ta tronche. Il a pas eu le temps de me. Il a pas eu le temps de me niaquer, je lui ai balancé ma lance dans la tronche avant. Très bien, bravo. Donc si vous avez la lance, effectivement, il vaut mieux le prendre en face à face le requin. Et quand au moment où il commence à ouvrir la bouche, faut vite cliquer pour l'attaquer et lui faire des dégâts avant qu'il vous attrape. D'accord, je gère le radeau. Hein. Profitez, reculez-vous. Ouais, moi ce qui m'intéresse c'est autour de l'île. Hop, je vais bientôt mourir. Enfin, je vais pas bientôt mourir, mais je suis vraiment. Ah oui, mais moi aussi. J'ai plus d'eau. Ah, salopard, merde, j'ai plus de vie. Ouf. Ouais, quand vous avez plus rien, vous êtes ralenti, c'est un peu chiant. Oui, bah oui, et j'étais en train de me restaurer quand le requin est arrivé, évidemment. Évidemment. J'ai mangé une pastèque. Une seule, pardon. Et la pastèque, elle se mange en deux fois, de toute façon. C'est parfait, ça me va très bien. Bah après, tu peux la manger entière.
Ah, il est où, Capitaine Requin? Salopard de requin. Il est là-bas, c'est bon. A plus, Nash. Il me faut à boire, il reste de l'eau, oui. Merci, Nash, bon week-end à toi, à plus. Ah, ça c'était propre. Bon déjeuner. Alors, on en est où là? Ça, on peut récolter ça. Voilà. Donc, je vais. Là, je vous mets pas. Là. Ah, ben, je suis mouru. Et voilà. Mais t'es où? T'étais sur l'île? J'allais arriver sur l'île. Alors, attends. Pourquoi je te vois pas? Il est sur le lit. Non, mais ça y est. Ah, mais c'est bon. Il y a encore des trucs à récupérer sur l'île, je peux y aller, moi j'ai pas visité. Oui, en fait faut y aller, il faut faire les bords de l'île pour récupérer du sable et de l'argile, c'est des petits tas qui sont un peu dans l'eau. Il faut appuyer sur E pour les récolter avec le crochet. D'accord, capitaine, je suis sur l'île. Il fait encore mort. Punaise. Il y a des coups sur le côté. T'es où cette fois? Mais là, je suis pas très loin, à droite du radeau. Je peux voir. Le problème, c'est que tu peux pas te défendre quand tu portes quelqu'un. Allez. Ouais, c'était génial, la vue. Très joli tatouage sur le mort, monsieur. Ah, merde. Je t'en prie, merci. Ah, j'ai pas de hache. Il aurait fallu une hache pour couper. Il y a des arbres à couper sur l'île. Oui, mais ça, là, ça nous sert à rien parce qu'on a assez de bois. Sauf s'il y a des... des fruits dessus. Genre des mangues ou des trucs comme ça, là ça peut être intéressant de les abattre. Moi j'ai cru voir un manguier. J'ai vu comme des noix de coco sur l'arbre, alors excusez-moi. C'était ça gros, peut être des noix de coco. Oh, je récolte des pastèques, c'est trop bien. Oh oh, oh oh, j'ai fait une mauvaise chute, au secours. Vite, où faut que je retrouve le rivage. Ah, mais t'es j'ai dévissé au niveau de l'escalade et je suis tombé à la mer. C'est bon, je suis sur l'île à nouveau. Mais il y a des trucs. Ah, j'ai noix de coco, planche et graines de. J'ai pas vu. Dorota, il faut que tu trouves la recette des bounty. Je veux des confiseries et la noix de coco, s'il te plaît. Allez, je vais essayer de trouver ça. Oh, mangue. J'ai des friandises plein les yeux. Grâce à nous. Yukine a la chanson de Bob l'éponge dans sa tête. Oh non, non, c'est pitié. Je fais le tout de suite. Il souffrira moins. J'ai déjà du cuivre et du métal. Je ça, suis pas cool. Le roi du monde, au secours, venez me sauver. Je suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là. Oh non, mon perso a déjà faim. Je vais manger de la pastoura. Ah, mais tant qu'on est au début, ça va être un peu relou de oui, faire. Violent, il faudrait, tant que t'es sur le bateau, le sage, si t'arrives à faire peut-être 2-3 trucs de plantation de plus, ça serait d'accord, bien. D'accord, tout de suite, capitaine. Hop, je récupère du bois. Planche, bah, commence par un déjà. On verra. Ça, c'est quoi? C'est de la pierre. Graine de palmier. Le squalier à l'opposé, je vais pas me faire croquer le cul. Ouais, j'ai gagné. Alors attendez. Alors le capitaine a dit faire des trucs de carré de terre. Ah, il faut que je récupère de la corde dans les réserves. Nous avons beaucoup de cordes. C'est bon, oui, ça. Oui. Bah, je transforme la feuille en corde. Ça fait ça. Du coup, ça prend moins de place comme ça. D'accord. Puisqu'il faut 2 feuilles pour faire une corde, donc. Carré moyen, il faut de la ferraille. On avait de la ferraille quelque part. Je regarde les coffres. Ouais, il y en a plein dans l'eau autour de l'île aussi. C'est beau. Toc. Attendez, on va faire. J'ai une hache, une pierre. Et pour récolter ce qui est dans l'eau, il te faudra quoi pour. Juste le crochet. Juste le crochet, d'accord. Ouais, t'arrives et tu maintiens ton clic et ça voilà. Si tu vois les morceaux de ferraille et tout, tu peux les récolter. Des petites boules marron ou d'un bleu argenté là. C'est le cuivre et le métal. D'accord, ok. Et quand tu as des petits tas de terre un peu différentes, c'est le. Ah putain, je suis en train de crever de faim. C'est moche.
Ah, ouais, c'est moche parce que j'ai tout ce qu'il faut pour nous faire la suite, donc il faut pas que je meure. Oh, c'est quoi ce caillou? Oh putain, j'ai le requin qui m'arrive dessus en plus. Minerai de métal! Oh, que c'est beau! On va pouvoir faire. Graine jaune, je sais pas ce que c'est, ça va être. De la ferraille! Non, le minerai de métal, ça sert pas à faire de la ferraille. Hein. Non, non, c'est ce que j'ai trouvé, hein, ferraille. Même pas. Attends, okay. On a plus de graines d'ananas. Non, parce que la dernière fois que j'ai récolté, il n'y en avait pas. Mais mais c'est pas grave, parce que j'ai planté des patates et des navets. Ah si, j'ai trouvé graines d'ananas, il nous en restait dans un coffre perdu. Non, oui. Si tu voilà. T'as récolté des trucs là ou pas? Parce que moi, bah, j'ai créé deux autres bacs moyens que j'ai pas déployés. Il est dans le coffre, les bacs à graines, mais je crois qu'on a des graines comestibles. Donc ça attendra. Bon, je suis désolé, j'ai mangé tout ce qu'il y avait en réserve. Parce que j'étais vraiment dans le mal. Oh, le requin qui va me bouffer, salope. Moi aussi, j'ai pas tant d'accord avec Charles. Je vais remonter. J'ai la violence. Aïe, aïe, aïe. J'ai machin. Alors, ça, je vais crafter tout de suite. Ok. Vous êtes... Oh, les piafs là-bas, là. Sur le... Hé, hey, 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 j'en ai eu un. Oh, kill un bird. Le trophée de ouf. Ouais, mais maintenant je peux faire cuire du poulet. Je savais pas que ça fusait du poulet, le piaf. Je suis en alerte bouffe, donc je vais manger ça avec plaisir. Alors, ouais, bah, alors, il va falloir un petit peu de temps pour que ça cuise, mais... Ce jeu qui ressemble sur PS5 à venir... Alors attends. Ah, oui, on est en survie dans la mer, t'as pas idée, c'est la folie. On peut lever l'ancre, capitaine, ou pas? Non. D'accord, capitoune. Qui c'est qui est sur la table? C'est toi, Torota. Ouais. Parce que je. Ah, mais je pensais faire l'analyse de. De ça. Mince. Du minerai de métal? Ouais. Mais t'as dû le faire, je pense. Non, c'est qu'il n'y a pas besoin de les analyser, les minerais de métaux. Ah. Faudra le faire fondre, alors, du coup. Oui, voilà, et c'est une fois qu'on aura les lingots qu'on pourra analyser. D'accord, ok. Il faudrait peut-être que... Voilà. Je vais voir si je peux... Ah putain, non, il me faudrait un peu plus de bouffe, en fait. Ouais. Tu veux de la bouffe? J'en ai, attends. C'est bon, ça. Attends, c'est toi qui as pris l'eau fraîche? Ouais, je veux la remettre... Ouais, non, mais c'est en fait, il en faut pour les plantations, sinon on va rien avoir à bouffer. Ah oui, mais je vais voir si je peux pas en crafter d'autres. Oh, je peux fabriquer une toile de navigation. Ah, il me faut 12 feuilles en plus, et puis ça sera bon. Eh ben vas-y, il y en a plein dans les coffres. Hésitons les feuilles, hein, tu peux... Prends-les à côté, là, dans le coffre, avec les pierres, parce que... Ouais, mais attends, là, je mets de la bouffe, là, je mets une mangue, voilà. Je mets une noix de coco, et je mets dans la nourriture des graines de palmier. Tiens, des feuilles. Hop là. Je viens de te les jeter à tes pieds. Ah, merci beaucoup. Je sais pas s'il y en a assez. S'il y en a pas assez, tu me le dis, j'en ai encore sur moi. Il en manque deux. Juste. Tiens. Merci. Attends, j'ai remis les voiles. Allez hop là, c'est fabriqué. Je vais m'enfiler la viande. Où veux-tu que je place la voile? Attends, avant de la placer, on va la... Mets-la dans un coffre. Alors là, dans un coffre. Je vide mon... Hop. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il faut... Voilà, mais je le mets dans le coffre qui est juste derrière l'établi. C'est de l'eau de mer, mais de l'eau... Oh, mais non, n'importe quoi. Je vais péter ma lance, j'en refais une. Que je vois pour le craftage, quand même. Personne n'arrive en alerte glouglou, ça va au niveau de l'eau. Merde. Non, ça va. Parce que pour les plantes, il faut les arroser aussi. Non, c'est bon. Je mange juste un petit peu. Arroser les carrés de terre. Ah, c'est comme ça qu'on fait, d'accord.
Je vais prendre la mangue. Oh la vache! Oh la dure la survie. Ok. La voile est là, tout ça. Oui, je me fais avoir à chaque fois. Ouais, ouais, non, mais c'est terrible, j'ai du mal. Ça, c'est toujours pas fait. Faudrait voilà, arroser le deuxième truc quand vous pouvez. Oui, moi, je vais continuer. Oui, je s'il y en a qui veulent venir récolter. Merde. Faut que je me refasse un crochet d'abord. Putain, je me suis fait niquer le cul. Que je me refasse un crochet. Il y a plus de ferraille. J'en ai un peu. Mais ton crochet, ouais. Il est comment, Torota? J'en ai deux. Ah non, moi c'est bon, là, j'ai encore un petit peu, mais t'inquiète, tout va bien. Oui, merci. Ouais, si tu leur cours dessus, elles s'enfuient tout de suite, les mouettes, d'accord. Mais si tu leur mets un coup de lance, tu les abîmes petit à petit et tu finis par avoir du poulet. D'accord. Du coup, je disais quoi? Oui, bah viens avec moi, Torota. Si t'as le prochain Je vais en refaire un au cas où, parce que je sens que ça risque de me péter. Voilà, j'en ai deux, juste histoire que je mange un petit coup, parce que là ça va péter. Moi qui ai bien mangé exprès pour avoir le temps, j'ai déjà perdu la moitié de ce que j'avais avalé. Oh, ça va vite, hein. Et plus la difficulté est haute, plus ça va être. C'est pour ça que nous on avait mis facile, c'est pour être tranquille au niveau de ça, quoi, parce que... Ouais, mais on est trois, on est des costauds, on va gagner. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut... Non, mais ça veut dire qu'il faut de la boost plus vite et trois fois plus. Bah... C'est ça. En fait, tu restes un peu sur l'île, comme ça, il reste autour du radeau. Ouais. Ah ouais, ok. Et puis là, tu viens par là, par exemple. Et là, dans l'eau, je sais pas s'il y en a. Si, là. Regarde. Vers moi, là. Remonte. Reste le plus longtemps possible à la surface parce que l'oxygène descend vite. Hein. Là, tu vois, t'as deux trucs que tu peux récolter. Ça te va te donner de la ferraille. Ouais. Puis t'en as un peu plus là, voilà. En dessous, etc. Ça. Ah, il y a encore des algues. Je vais en récolter un peu sans. En plus, je vais voir un peu ce qu'il y a là. Moi, j'avais repéré des tas de sable ou d'argile ou je sais pas quoi. Ouais, là. Moi, c'est ça qu'il me faut. Oh, c'est dommage, j'ai plus rien à faire cuire. Verser liquide, retirer. Boire. Mais non, je veux pas boire. Mais il y en a plein là, putain, il y a du minerai aussi. Ah, c'est parce que j'ai plus de planche sur moi, c'est pour ça qu'il me le propose pas. Eh oui, imbécile que je suis. Ouais, faut faire attention à avoir les ressources sur soi, ça sert à. Ah oui, je me dis, mais je comprends plus, j'ai plus d'interaction. Voilà pourquoi. Eh ben oui, tu m'étonnes. Ah, bon. Je suis en train de crever de faim. Merde. J'ai bu beau. Je rentre sur le radeau. Non, moi j'en ai pas beaucoup non plus, va falloir que... Je trouve le système d'oxygène super bien fait parce que quand tu remontes à la surface, bah tu t'en récupères plein d'un coup et plus t'arrives vers le full poumon et plus ça ralentit en fait, ce qui est logique parce que bah une fois que t'as pris une grande bouffée, bah tu... Ah bah je suis mouru, juste à côté du radeau, j'ai à moi. Oh putain. Aïe. Le sage, ça va être notre capitaine secouriste, c'est lui qui va nous chercher chaque fois qu'on meurt. Vous êtes sûr? Notre infirmière. Notre infirmière. Appelez-moi l'infirmière Joël. Je t'ai cru à Bourbalette, c'est ça? Pardon. Ah, vilain requin, vite. Quatre, huit et trois. Ah merde, il me manque du plastoc. Elle est où la ressource? Ah bah vous inquiétez pas, le requin est en train de me niaquer le cul. Ah, merde. Attendez, merde, je répare le requin. Elle est où mon arme? Elle est où mon arme? Hop, on va faire ça. Je vais crever de faim, au secours. Vas-y, reviens saleté, je vais te mettre
Putain. Ah, je vais te chasser, mec. On fait ça. C'est moi le prédateur, ok. Excusez-moi parce que là je vais. Il est où le requin? Je suis en train de lui tataner la gueule. Je vais mourir sur le bord des rues. Il arrive. Tiens. Ah, hey, il est de ton côté. Ouais, je suis en train de me fighter avec lui. Ah. Je le fuis pas, je le combat. J'arrive, je vais te rejoindre. Comment ça? Et alors, pas mal? Attends, faut quelqu'un que gère le radeau, parce que là, j'ai quitté le radeau, je vais aller mourir au fond de la mer. Putain, pourquoi ça change de truc, là? Ah merde, il m'a tué! Oh putain, faut vite que tu viennes me récupérer, Torota, parce que j'ai masse de trucs sur moi, là. Mais je te vois pas. Mais... Je suis pas si loin du bateau que ça, un peu devant l'île. Du côté où on était parti. Merci Momoka pour ton raid. Ah, bonjour Momoka. Alors, Alors, du côté où on est parti, ok. Ah, mais je suis pas parti aussi loin, je suis plus près du bateau. Ah, d'accord. Normalement. Normalement, tu passes le petit rocher là en montant là. Tu redescends de l'autre côté et je dois être dans l'eau quelque part. Malheureusement, il va falloir que tu ailles dans l'eau pour fouiller et me chercher. Aïe. Donc fais attention aux requins. Ouais. J'espère que t'as ta lance pour te défendre. Ouais. Je vais. Allez, viens, saloperie! Cochonnerie de saleté, ouais. Coucou! Allez, viens. Oh mon dieu. Bah, il faut que t'arrives à me trouver. Une fois que tu m'as attrapé, tu peux plus te défendre. Faudra rusher l'île. Hein. Wow. Ouais. À moins que je le tue et. Je suis pas sûr qu'il soit prêt de mourir, donc vaut mieux que tu m'attrapes et que tu te barres. Ok. Bah, je lui mets quelques coups, mais avec les armes qu'on a, il va falloir une. Enfin. Je sais pas, 30, 40 coups pour le tuer, donc. Alors, il en a pris un certain nombre, mais. Il a dû en prendre une vingtaine, pas plus. Je pense, donc il faut encore au moins. Ok. Attends, j'arrive. Je me réanime. Ah oui. Oh mon dieu. Mais tu m'as trouvé? Non. J'arrive. Heureusement qu'on a jeté l'angle. Je peux même pas regarder parce que j'ai encore plein de sable, j'ai plein d'argile, j'ai du métal, j'ai la pagaie. si je meurs, on va en perdre les trois quarts. Hein. Voir tout si on n'a pas de chance et si on perd tout on pleure hein, parce que je te vois pas là. Il me faudra un petit peu de plaster moi pour réparer. Je dois être un peu sous l'eau hein, je suis pas à la surface normalement. Alors on fait encore des bulles. Et le problème c'est qu'il faut que je retrouve ma touche pour me baisser, j'arrive plus à descendre dans l'eau, ça c'est un peu relou. Ou alors c'est qu'il y en avait pas mais j'ai plus l'habitude. Si, il y en a une, moi j'ai réussi à forcer la nage moi vers le fond. Oh bonne nouvelle. Oui mais si tu regardes vers le bas et que t'avances ça descend, mais normalement il y a une autre touche. J'ai récolté nos premières pastèques, c'est bon ça. Rangeons dans le coffre. Plante essentiellement des betteraves et des patates si tu peux. Oui capitaine. Parce que la pastèque c'est bien, mais ça remet quasiment que de l'eau, ça remet pas de bouffe. Ou presque pas. Bon, le requin ne voit pas donc c'est bon, mais moi j'arrive pas à te trouver, c'est bizarre. Ah, la vilaine. Pourtant, je suis pas loin de là où tu me dis. Là, j'ai pas d'autres graines. Ah, il y a une grotte sous-marine. Oh. Alors attends. Je vais passer sur le stream de Torota. Non, t'es pas encore assez loin, Torota, je pense. Il faut que j'aille par là-bas, là. Oh, je suis désolé, j'ai que de la pastèque et de l'ananas. Alors, là, t'es en face du rocher, vas-y, continue. Plus pour ta droite, là, en face de... Regarde en face de l'île, mais il faut que tu descendes un peu. Ah, l'île est un squal. Non, il a des griffes sur lui, le requin, il est en sale état. Là, t'as la tranchée entre les deux, passe la trachée. La tranchée, là, qu'il y avait entre les deux montagnes, tu la passes, tu dois être de l'autre côté. Non, là, t'es parti trop loin. Wow. Là, je suis désolé parce que t'as le décalage sur le... D'accord. Le requin reviens sur l'île. Ouais. Est-ce que tu veux te faire bouffer, sinon?
Je suis en train de comprendre la subtilité. Voilà, et regarde en face de l'île, en fait, vers la mer. Non mais... Alors, pas là où t'es, là où t'étais plutôt. Non, redescends vers la plage, voilà. Plus sur ta droite. Putain, c'est... le problème c'est que c'est chiant parce que c'est pas en direct, ouais. Ça me stresse. Putain, tu peux pas faire un stream Discord en même temps? Ça sera plus simple. Je sais pas si ta call permet. Donc là, t'as les... en face de toi, t'as les coraux là où je t'avais demandé de récolter de la ferraille. Ouais. Là, et... oui. Ah, c'est plus loin dans l'océan, mais c'est un peu plus sur ta droite, à droite de là. Ça. T'as deux montagnes sous l'eau là avec un fossé entre les deux, faut que tu traverses ça. Ah oui, vu. J'espère que tu vas arriver à me ramener sans te faire bouffer, mais normalement le requin devrait être assez loin. Bah le requin je l'occupais sur le radeau. J'aime bien parce que sur ton stream tu viens seulement de me récupérer alors que t'es déjà en train de me balader depuis 10 secondes sur ma vue. Y a un gros décalage. Je crois que le squale est de mon côté. J'ai cru voir son aile. Bah c'est possible parce que nous quand on l'échappe forcément il retourne vers en fait il retourne tourner autour du bateau. Mmh. Alors fais attention et reste le plus longtemps possible sur la terre ferme. Est-ce que tu vois le requin? Ah oui, il est là. Après vu ce que t'avais de vie, tu devrais pouvoir prendre une niaque. Normalement si tu te mets bien dans l'eau au dernier moment, tu prendras pas plus d'un coup. Hein. Là, comme il est un peu près, je vais éviter de prendre trop de risques. Let's go. Mais là, si on arrive à faire ce que je veux, je vous spoil pas. Voilà. Oui, histoire de voilà. Et on va commencer à consommer pas mal de planches. Ça va éviter les stocks. du coup, il faut que je fasse. Alors, regardez, j'ai fabriqué des briques fraîches. Oui. D'accord. Les briques fraîches, une fois qu'elles sont fabriquées, on les pèse. Non, c'est le capitaine qui est fatigué, si tu veux voir. Voilà. Et oui. En fait, et les autres, elles vont sécher déjà. Donc on peut les récupérer, on a déjà des briques. Voilà. Donc, on va étudier une brique. Et on apprend à faire la fonderie. Oh bien. Du coup là je vais essayer de voir la grotte sous-marine que j'ai vue. La fonderie, il faut 6 briques pour en faire une et on a les 6 briques. Il nous faut 4 clous, les 4 clous on les aura, c'est pas un souci, sauf que. Oh. Je me fais crocailler, hop, agloublou, agloublou. Il nous en reste de la ferraille ou pas, Torota? On va aller en ramasser vite fait, et puis... Ouais, c'est qu'à force de consommer, ça commence à descendre un peu quand même. Ah, mais il y a que. Bah, pourquoi il y a que des ananas et des trucs qui sont plantés là? Bah, parce qu'il y a rien d'autre. Je suis désolé, je peux que planter que des fruits, capitaine. Mais t'as mangé toutes les patates et les navets? Bah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la patate ou du poisson. Hein. T'as mangé toutes les patates. Mais. Elles étaient plantées, c'est pas possible qu'on en ait plus? Elles étaient plantées. Ah ben si elles étaient plantées, elles ont dû être bouffées par les piafs. Ah merde. Ah ouais, à un moment on a abandonné le radeau trop longtemps. Parce que en fait on plante un navet, ça à la récolte ça en donne 2 ou 3. Ouais. Et pareil pour les patates. Oui, donc du coup c'est comme c'est le truc qui remet bien de la bouffe au début, parce que la viande on va avoir du mal à en avoir hein, tant qu'on peut pas chasser le requin comme on veut. Bah il faut, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à les Ah bah je viens de tuer le requin. Oh GG. Bah GG, il a attaqué le bateau, cet imbécile. Wow, hop là, trop bien. Je te laisse. J'ai un petit allez, remonte vite. Ah oui. Pour je remonter... vois un piaf au-dessus. Faites attention les amis. Non mais c'est juste une mouette, t'inquiète.
Ah, vous avez trouvé des... J'ai ramené un truc en plus. Hop, bah là, là, le requin est mort, donc on peut se balader, tiens, récolter... Je sais pas ce que ça peut te donner. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça, au juste? T'as trouvé quoi? Mais une palourde. Ah, oui, ouais, j'en ai deux sur moi. Pour l'instant, tu peux pas faire grand-chose. C'est à manger ou pas? Je ne sais plus si tu peux les manger. Palourde géante. Je pense pas. Bon, je mets dans le truc de... Oui, oui, hop. Mais ça... Ça pourrait être, et plus tard ça pourrait nous être très utile, mais si ça nous bloque de la place, on les jettera de toute façon. Ok. Ah bah la nuit va être agréable. On a à manger et à boire. Ouais. Hop, et on a une voile qui est prête, comme ça pour plus tard, on pourra avancer un peu plus vite. Enfin, on peut se reposer un petit peu, c'est beau. Ouais. Bon, il n'y a rien au sommet. Je vais retourner vider les fonds marins là où je me suis fait attaquer par le requin. Parce qu'il y avait encore pas mal de ferraille qui traînait. Ok, et puis... moi je vais visiter rapidement la grotte sous-marine pour voir un peu ce qu'il y a. Ouais, fais attention à ton oxygène. Ouais. Ah, mais la grotte. Ah, mais si, mais il y a des trucs pas mal dans la grotte sous-marine. Attends, je t'attends. Comme ça, je pourrais te montrer ton retard. Ok. Allez. Ah, comme ça nous fera du combustible. Hop là. Sur ta droite. Yes. Ah non, c'est l'osage, pardon. Oui, pardon. C'est moi qui ai récolté 3 planches. Voilà, parce qu'on a besoin. Oh, mais vas-y, tu fais bien. Le requin, c'est ah, si c'est. Bah, j'ai trouvé la touche pour descendre. Déjà. Hop. Tu vois, bon, toi, t'as la ferraille. Moi, il y a tous ces petits tas là. Tu vois, qui sont à côté. Pierre. Ça c'est de l'argile, ça c'est du sable. Je vois rien en plus à la nuit, c'est chaud. Ça commence à devenir confortable. Ouais, par celui qui reste sur le radeau peut-être. Hein. Bah, écoute, la prochaine planche que je ramasse avec un canif, je la taille en flûte et je joue de la musique. Ça devient confort. Ah bah bien. Ah, du sable. Voilà, bah c'est ces tas-là, là. Ça fait du sable ou du... Oui. Ceux qui sont un peu plus foncés, c'est de l'argile. Okay. Et encore, je devrais les piquer pour avoir de la viande. Voilà, et les petites boules là que t'as sur le côté, sur la paroi, ça doit être du minerai de fer, je pense. Je me cache sous l'établi, les mouettes ne verront pas. Et quand elles seront dans la nourriture et les bacs, je vais les piquer. Et paf, le piaf. C'est ça. Et paf, fait des chocs à pique. Je les surveille. Allez, venez par ici, les nuggets. Le cuivre. Ouais, moi j'ai du minerai de métal de l'autre côté. Il y a quoi d'autre? Et ça mène où ça? Le livre du capitaine. Je sais pas, mais fais attention à ton oxygène. Côté. Ouais. C'est le journal de bord du capitaine. Oh. Il écrit. Pour remonter plus vite, tu regardes vers le haut, t'avances et tu t'appuies sur ta touche. Oh, une grotte. Oh. Attends, il y a un intérieur à l'île. Moi, je veux pas de ouh. Ça, c'est très très cool. T'as ramassé un coffre, non? Ouais. Non, ça va nulle part, ça. Pas un cul-de-sac. Est-ce que j'ai d'autres graines? Ah bah non, j'ai plus de graines. Mais c'est intéressant parce que le coffre t'a dû ramasser la plante d'objets. Ouais, j'ai repéré des cailloux, de la ferraille. Merde, la pluie de graines. Tac, 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 tac. Je réfléchis. Alors, comme c'est la nuit et que je vois que de la... C'est parfait. Je garde un ananas pour ma survie. Il va falloir que je rentre parce que j'ai bientôt plus de bouffe. Survie 7 jours. Le sage, regarde que le requin doit être cuit. Tu dois pouvoir le changer avec les morceaux suivants. Ah oui, tu as raison.
Ah merde, il manquait des planches pour un steak. Ah con. Requin cuit. Ah, ouais. Bah, j'ai... c'est le moment de rentrer, j'ai pété mon crochet. Ah merde, il restait un morceau de sable là. Ouais, tant pis, de toute façon. Ah, le cadavre du requin a disparu. Oh oh. Ah, c'est pas bon sinon. Oh oh. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la corde. Je pense qu'il va falloir l'ouvrir. Hop, je la mets là. Ce stock. Mais non, il y en a toi. Du coup. Tant que tu le mets où Ah, c'est là, ok. Le requin, c'est qu'il y a deux morceaux qui ont déjà été mangés. Ah, je me rends compte. Oh, joli. Poulet. Ouais. Poulet. Ouais, ça finit plus. Ouais. Mais les deux cuisses de poulet à cuire. Ouais. Oui, capitaine. Tu voulais de la ferraille, petit Seb, je crois, de mémoire. Ouais. Tiens, j'en ai 7 pour l'instant. J'en ai ramassé aussi. Donc ça m'en fait plus. Ça me va. Il t'en faut d'autres? Pas pour l'instant. Ok. Pardon, il y a des planches. 4 et 4. Ça je mets là. Ça je mets là. On peut toujours pas lever l'angle, capitaine? Si, ah, maintenant. C'est pas ici. L'aventure hop là. Reprend. En plus la merde. J'ai remis les bagues de culture dans le dans un coffre. Bah si on a pas assez de culture pour tout planter, on a pas besoin quoi. D'accord. Ananas. Merci. Message de fin 1992. Va falloir que je fasse un trou ici. Oh mon oncle rouillé qui coule, sings note. Oh yeah. Est-ce que je peux... Le squal est là. Le squal est là. Ça va. Parce que si je crève. Je me demande si on peut mettre une encre si on fait des trucs comme ça. Mm-hmm. Non, ça pourrait être pas mal ça. Ouais. De la pierre. Ah, je veux des planches. J'ai besoin de combustible. On peut faire des plus gros coffres aussi maintenant, mais il nous faut des charnières. Ah. Et ça, là, il me faut 6 clous. Des planches. Impeccable. Il nous faut des planches. Ah oui, ça va arriver. Là, c'est planche. Ça, c'est de la récupère. Je crois que t'en as une vingtaine dans les coffres. Ça, oui, c'est ça. En planche. Tac. C'est ça. La. On a avancé vachement vite. On a quitté l'île. On dirait un une vitesse folle. Ah oui, le courant nous emporte, c'est wouh. Ici au Matelo. Il faudra recrafter une encre, je suppose. Oh, je commence à... Non, laisse faire. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le frigo? Dans le frigo. Je vais faire ça. Tiens, j'ai mangé un peu du piaf. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poulet. Oh, c'est bon. N'hésitez pas à faire un clic droit normalement avec votre souris, ça ramène le grappin direct quand vous popez rien et vous savez que vous allez le ramener. Ok, merci capitaine. Ah, mais on peut étudier les algues directement.
T'avais pas ça là, bah, me le dire plus tôt. Je sais pas comment ça marche. Il y a de la gelée verte. Oh mon dieu. Oh, du poulet, je mange le poulet. Tellement d'objets. Ah ouais. Oh, bah, dès qu'on aura fait ça, on va partir bien comme il faut. Moi je veux une petite caisse moi. Je veux la main. Le sable au on a. Ouais, le sable j'en avais en plus, donc c'est cool, il va falloir que je m'en occupe. Oh, c'est lancé. Bon app. Message de Finfan 1992. Bon app, les gens. Je vais manger à plus tard. Quelle idée de manger, c'est surfait ça. On est streamer, on mange plus, on se douche plus. Oh, arrête. Quelle horreur. Je veux pas savoir, Torota. Je veux pas savoir. N'importe quoi. Ah, ben voilà. Tac. Oui, je l'ai vu aussi. Magnifique. Je la veux. Hop. Alors là, donc, on peut faire des charnières. Ooh. On peut faire des boulons, on peut faire une cisaille, on peut faire... Là, oh, ça va commencer à intéresser le sage. Ah bon? Oh, Barbecue! Et ce qui me plaira le mieux... Requin! Encre attachée. Oh. Il est où? Oh, terre en vue, terre en vue. Oui, ça tombe bien. On va peut-être refaire une encre temporaire alors du coup. Oui, capitaine, je suis pour, je vote pour. Ah, la voilà, planche en bois. Ça, ça a l'air d'être une île moyenne. T'as un tonneau là-bas si tu veux le sage, donc si je te le laisse. Ah, où ça? Ah oui, merci Torota, j'ai failli t'appeler capitaine, oh mon dieu. Il a fait j'ai pris du grain, c'est incroyable. Capitaine adjoint au retard. C'est ça. Oh mon dieu. Merde, j'ai plus de graines à planter, c'est pas cool. Je crois que j'en avais mis. Je sais plus. Vous avez quelque chose de bien à planter? C'est énorme. Moi je plante le requin avec ma lance. Oh putain! Ouais, y a des trucs à récolter là, c'est merveilleux. Mais y a pas de graines de végétaux viables là parce que. Ben, je crois pas. Oh, ce caisse! Oh. Ouh! Ah bon, à ce point? Si tu dis ouh, c'est que ça vaut le coup. Ah ouais, là ça. Ça a bien régalé. Faut que j'arrête de me promener le verre à la main, parce qu'un séjour je vais boire de l'eau de mer accidentellement, ça va mal se finir. Ah, j'ai la folie. Hop là. Tonneau. Récoltez bien toutes les planches que vous pouvez, parce que maintenant qu'on a le fourneau, ça va consommer. Oui, capitaine. Verre à boire. Oh. Incroyable. Oh, le tonneau, il est pour toi, Torota. Il est bas. Ferraille, pierre, planche, betterave. Il va falloir jeter l'ancre, capitaine. On est très. Ouais, mais je me rapproche encore avec la rame là. Tu vois, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ah, on percute, au secours. Je vais sur l'île, capitaine. Mais on a tellement bien percuté que d'ici le requin, il pourra pas nous avoir quand on ira sur l'île. Bien joué, capitaine. C'est ça le truc. Bien joué. Il me faut un truc à bouffer. J'explore l'île. Très bien. Il y a des jolies fleurs, mais elles ne sont pas comestibles, donc j'ignore. Ah oui, tiens, je vais ouvrir ça pour voir ce que j'ai récupéré encore. Il y a un ananas. Peinture. Ouais, super. Pour se sentir moins seul. Oui, on peut se maquiller. C'était marqué dessus. Oh, j'ai soif. Ça, il faut juste de l'eau, ok, ça. Il va me falloir de la corde.
Hop là. Non, il n'y a pas d'avance. Hop. Ouais, ok. Immense. Corde, corde, corde. Ah, mince. Et de la pierre. Il y a un arbre à fruits. La... Est-ce que quelqu'un a une hache? Il y a un arbre à fruits. Non. Moi, j'en ai pas fait. Bah, il suffit d'en je faire la une. Je l'ai construit. Hein. Je l'ai fait. S'il vous plaît. J'étais justement en train de. Parce que oui, il y a un arbre à fruits à abattre. De faire ça. Ah, c'est notre problème. Ce qu'il faudrait, si on peut, c'est récolter encore du sable. Oh, pire, il y a du minerai juste en dessous. Du sable et de l'argile. Pour faire un deuxième fourneau. Ok, je vais manger vite, fais un petit bout. Moi, je suis sorti. Il faut tout le temps que quelqu'un reste sur le bateau pour surveiller les pigeons. D'accord. Je reste sur le navire, capitaine. J'étais content d'avoir foulé le premier lieu. Ah la houle est terrible. Waouh. C'est bien parce que de l'autre côté de l'île, il y a plein de trucs là, sur la planche. Oh, on a toujours pas de graines. Si si, dans la bouffe, je crois que je t'avais laissé des graines de palmier. Justement pour. Oui, mais celle-ci, tu peux pas les planter. Oui, ah bon? Non, parce que en fait, il faut un pour les arbres, il faut un bac de un bac qui est spécial arbre en fait. Ah ok. Je suis un peu. J'ai repris le vélo bus et je l'ai jeté accidentellement. Hop là. Je m'en. Pas bien. Planche, graine de mangue, si tu veux. Est-ce que ça t'intéresse, le sage? Pardon, qui que quoi? Graine de mangue. Oui, 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 rapporte-le, rapporte-le. Non, mangue, c'est un arbre. Apporte, à sa porte. Merci, toi. Oui, sauf que les mangues, c'est un arbre, je le rappelle. Ah merde. Ah oui, alors mange-le dans la boîte, mange-le dans la boîte, écoute, Rita. C'est vrai, le manguier est un arbre, je suis un arbre. Graine de palmier. La graine, je mets en main. En attendant, une mangue, une noix de coco. Moi, je vis comme une poche. J'ai des trucs sur moi, je vais bientôt mourir de faim et de soif. Ah, t'es en train de te friter au requin, là. Ouais, non, c'était pas volontaire, mais en fait, tous les trucs à récolter sont sous le bateau. Donc, il va falloir se le friter, le requin, de toute façon. Oh, je lui mets bien là. Oh, il prend cher. En fait, quand il te fonce dessus, vaut mieux lui foncer dessus aussi. Et dès qu'il ouvre la bouche, tu attaques. Ah, ouais. C'est moi qui et comme ça, tu prends pas de coups. Et c'est lui qui prend d'ailleurs. Voilà. Il est sur toi, je crois, Torota. Ouais. Non, oh, et un deuxième de ses cadeaux. Il est sur toi. Non, je suis trop loin. Je ne vais pas foncer. Poursuis-le pas. Laisse-lui le temps de revenir. Toi, ça te laisse le temps de reprendre de l'oxygène. Ça serait con de mourir étouffé alors que tu te fais le requin. Ouais. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît, le sage? Je suis juste à côté. Attends, laisse faire le sage. J'y vais. Ah d'accord, merci. Parce que là, je suis en train de vivre. Je le vois pas le requin, par contre. C'est ça. Bah, sauf, normalement, tu devrais avoir ce qu'il faut. Hein. Oui, c'est pas grave. Je vais tirer le squat loin. Allez, ah, merci. Ah oui, ah. Le fond est magnifique. Merci. Putain, et voilà. Vous aviez planté combien de graines? 3. Ok. Pourquoi? Non, parce que je me demandais si la mouette avait bouffé un truc ou pas. Non, il y a trop d'agitation. J'attire le squat loin, mais et là-bas. Je pourrais pas l'attirer trop loin non plus. Hop, je vais aller sur l'île faire un petit tour de fouille. Voilà. Et ça va très fouiller. Ouais. Alors, voyons.
C'est un panthère qui flotte, ça fait peur. C'est drôle en même temps, mais ça fait peur. Ok. Il y a une petite boîte quelque part. Ouais, je vais mettre le crochet comme ça. Ça a l'air d'être assez profond. Voilà, alors. Oui, capitaine. Ça, c'est notre ancre. Mais ça, on peut pouvoir le faire plier là. Ouais, voilà, c'est un tout petit poisson. Par contre, celui-là. Viens. Ici, voilà. Ça, ça fait plaisir. Bon, ben, on va avoir du poisson. Allez, viens. Je t'attends. La mangue et la noix de coco, c'est à manger, hein, vous savez. Les graines, non, mais les fruits, faut pas hésiter à les manger. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça... Allez, viens. Viens, viens, je t'attends. Allez. C'est tout ? Tout ce que tu sais faire. Allez, viens. Et je t'ai fourni un nouvel appareil de cuisine, le sage. Merci, capitaine. Ah, c'est la nuit. Je le vois plus. Ah, ça va être chaud, par contre. Reviens au bateau. Le temps que la nuit passe. Après, il faudra qu'on se fasse... un lit chacun, comme ça on pourra faire passer la nuit, ça sera bien. Mais c'est pas ce qui presse pour l'instant. Là, le lit, c'est surtout pour... Merci, Clégor, pour ton passage. Merci beaucoup. Ouais, pas de soucis pour le lit. T'inquiète. Je gère l'eau potable. Hein. Ça cuit, l'eau potable. Ça se désinfecte, ça se purifie. Récupérer son eau cuit. Waouh, c'est énorme. On va ranger ça dans notre frigo de fortune. Il y a quoi d'autre à cuire? Appuie un. On a combien de d'algues? Tiens, t'es dans le coffre, il y a combien d'algues? Je te laisse le coffre, pardon, je zappe à mort. Moi, je cherchais le. C'était à Torota que je parle. Ah non, c'était le sage. Oui. Je sais pas qui c'est qui l'a laissé là, ça prend de la place pour rien. Hop. Oh, oui, il y avait le vilain squat. On va faire ça. Parce que je pense. Tout. Oui, si tu peux. Maintenant, on peut faire cuire tous les poissons, donc J'ai récupéré un lingot de métal, je le range, capitaine. Ah non, merde, ça fallait me le laisser. Ah, bon, tant pis. Castagnole crue. Il me l'a mis où, là? Oh, parfait, c'est ce que je voulais. Ah bah, en plus. Je suis ravi pour toi, Torota. Tac. On a de la ferraille ou pas? On a encore plus de ferraille, mais vous en faites quoi de la ferraille? Moi, j'en ai fait un bac à un moment, parce que je voulais stocker plein de choses. Ah, purée, mais faut arrêter de faire des bacs. Ah, d'accord, capitaine. Je suis désolé. En plus, il nous a fait ça pour stocker du caca. Ouais, c'est... hein, bon. Je t'ai laissé mes deux de ferraille ici, là. Je te rappelle, en fait, le sage, que j'ai débloqué les grands coffres. Grands coffres. D'accord. C'est quoi? Ah, ferraille. Hop là. Du coup, c'était juste. Ouais. Encore? Ah, vilain squal. Qui c'est qui l'a repoussé? Je sais pas. C'est moi. Il attaquait où? Ici, mais c'est. C'est fait exprès. J'ai foutu un hameçon spécial au requin. Oh. Ah, l'appât requin, t'aurais dû le balancer un peu plus loin. Ouais, c'est un peu sous le bateau. Oui, c'est ta technique pour le tabasser. Bon. Ok. Voilà, comme ça on aurait plus à se mettre dans l'eau. Pourquoi je voulais du. Bon, je le pose là pour l'instant, on le déplacera après.
Oh, salut saloperie. Non, tu nages pas toi, hein. Non, t'aimes pas l'eau. je vais le mettre là. Non, voilà, je vais pas mettre là. Café au lait, j'ai soif. J'ai récupéré ça. Ah, vous êtes d'un calme dans le chat, c'est fou. Ouais, ils sont bien sages. Ouais, je sais pas, ils sont même pas des jeux de bombinette ou d'avoir une voiture au hasard en faisant point d'exclamation GT chez moi. Run to this, moi. Bon, voilà, déjà on a un grand coffre. Il faut piquer. Et un requin bientôt mort. Le petit nous laissera après le temps de. Je vais le laisser par là. De récolter tout ce qu'on veut. Est-ce qu'un jour on aura un navire si grand qu'on aura chacun nos appartements dessus? Avec nos quartiers. Si tu travailles bien, oui. Moi je mettrai une boîte à caca sous mon lit. Nah. Oh, tu ne sais pas. Il y a dans la vie, boîte. Avoir une boîte à caca sous le lit. Tout est dit. Ah, j'en pleure de ma bêtise. Oh mon dieu. Ah. Je fais des projets. C'est que mes planches commencent à bien diminuer là. Alors, il y en avait là des planches. C'est vrai que c'était là. Oh mince, au secours. Je suis naufragé. Vous avez fait une hache, non? Bien, Squall. Pique-le. Faut réparer après. Oui. Oula, tout le monde est dessus, j'arrive plus à interagir. Ouais, mais non, il attaque l'appât qui est sous le bateau en fait. Du coup, le bateau prend pas de dégâts. Ah. Et c'est ça qui est malin. Ah oui, c'est malin. Ouais, moi ce qui est malin, c'est que j'ai plus de bouffe. Oh, putain, bah je prends le gros poisson et donc je sais pas qui a pêché. Hop, je peux te faire un petit coup de pêche rapide si tu veux. Ah, volontiers, parce que moi je commence à avoir faim limite. Oh, t'inquiète pas, je l'ai mangé en entier, j'ai, il me reste plus qu'un quart de la barque qui est pas pleine. Hein. Capitaine, le verre est cuit. J'arrive. Remets de l'eau dans le. Remets de l'eau dans quoi? Dans le purificateur, non, c'est bon, je le fais. Ouais. J'ai rejeté voilà. Une planche au purificateur. C'est important le combustible. Oui, tout à fait. Bon, j'ai changé le coffre de bouffe, donc on a un grand coffre maintenant pour la bouffe. Tac, tac, tac. Il y a un truc que je voulais fabriquer, c'est quoi? Ah, c'est ça! Oui, du coup, il me manque bien un. Oh, mais le requin est mort, c'est bon. Ouh, ça, c'est une nouvelle. Il est juste là. Bonjour, la Jet qui Wilson! Voilà, c'est ce que me dit la Jet. Hop, je mets le poisson ici. T'en as bien eu 4 morceaux, hein, c'est bon. Je touche pas au requin parce que s'il faut le faire petit à petit. Tu peux. En fait, tu peux laisser enfoncer, ça va te donner une viande, deux viandes, trois viandes, quatre viandes. Et quand t'es à 4 viandes, tu lâches et tu finis pas. Vérifier que notre gobelet est plein d'eau. Ah, on peut prendre la mer. Ah, ça bouge trop. Ah oui, non, c'est là. Oula, il y a de la houle, c'est tout. J'en ai déjà 4. T'arrêtes. Oh, hop là. Allez, let's go. Hop, attends, on fait cuire le requin. Mon dieu, il y a tellement de houle. Instant, on peut plonger. Hop. Moi je suis dans l'eau, il y a la poisson est toujours là, donc c'est parfait. Vous avez dépecé le requin Oui, oui. Oui, c'est grillé. Des côtelettes de requin, j'ai faim. Alors, sur le gros grill, vous pouvez mettre, à part les poissons géants, vous pouvez mettre 3 objets en même temps. Oh, c'est beau. Oh. C'est bon, ça va. Et donc il vaut mieux les mettre par toi les objets parce que ben, du coup vous utilisez moins de combustible. Je gère la cuisson du requin s'il vous plaît. Oh. Je fais de la pêche pour mettre du poisson de côté. J'en ai des bacs aussi. Oh,
ça m'a fait un peu de repos, je pense. Le bateau après, se fait trimballer. Si vous avez des petits objets, vous pouvez utiliser les petits grills et bah, quand ils auront plus de combustible, on les démontera. Parce que le combustible, on ne peut pas le récupérer. Merde, oh, j'arrive pas à l'atteindre. Mais j'arrive pas à l'appliquer. Merde. Je pensais que maintenant ça venait plus longtemps. Ah, mais voilà, je suis mort de faim. Quelle idée. Alors qu'on avait des fruits et tout. Voilà, t'es dans le lit. Bon, l'avantage, c'est que là, on peut se faire revenir. Merci. Merde, je suis en alerte bouffe. C'est pour ça que vous me voyez sur le direct avant la nausée. Mais... Ah oui, ils sont désirés, le skateboard. La vache. Ouais, il n'y avait plus de planches. J'en ai remis juste avant de mourir, donc ça va. Mais de toute façon, t'es pas mort, t'es juste tombé dans les laves. Donc, oui, voilà. On peut le faire en jambon, pas en gâchis. Pas de gâchis. Oui, il a déjà lui, il a déjà jambon. On va s'en payer une bonne tranche. Oh, Dorota, il pêche. Pourquoi? Ouais, je mets le poisson ici. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ah, je me fais bobo là, mon mec. Ça va devenir des nuggets le prochain coup. Putain, le lingot de métal, il est prêt. Tu le récupères et si tu peux me mettre une algue à cuire. Oui, parfait. Ok, nickel. Hop. Voilà, ok, il y a du poiscaille, je vais faire le tour dans la flotte, voir un petit peu ce qu'il y a. Oh, ça c'est quoi? On a combien de briques? Deux. Pour faire le four. Ah, minerai de métal, parfait. La fonderie, il faut... on a plus besoin d'argile. Tu peux récolter du sable par contre, ça permet de faire du verre. Alors, j'ai 30. T'as besoin de sable, j'ai du cuivre. Voilà. De la ferraille, toujours. Voilà, là, je suis en pleine forme. Ouais, je suis en pleine forme jusqu'à 13h. C'est marrant. Ah, mais les algues, si tu les as prises sur toi, le sage, non? Non, j'ai mis dans un coffre à part. C'est là. Hein? Là, tu marches sur le coffre. Voilà. Ah! Ouais, oui, si on va les laisser là. Bon, il y a une substance visqueuse. Les algues ont fondu en bleu. Ouais, vas-y, récupère. Ah, oui, capitaine. Hop, attends, je mets mon minerai de fer. Quand le minerai de fer sera fondu, je vais tout laisser. Quand le minerai de fer est fondu, ça serait bien de faire fondre du. Bah là. Hop, attends, je mets la vase et les algues dans le même coffre. Quand le minerai de fer est fondu, ça serait bien de mettre un de sable, et quand le sable est fondu, après, que des algues. Oh, que des algues, que des algues. Ça c'est beau, ce que je vois. Alors... Ah. Donc, est-ce qu'il y a des minerais? Maintenant, ouais. C'est ça qui nous là, je fais du minerai de métal. Du minerai de métal, ouais. En fait, ce je que vois encore du cuivre, apparemment. Ah, je l'ai loupé. Voilà, la pierre, on en a assez, je pense. Okay. Comme on va plus faire d'encre jetable normalement, donc. Alors ça, c'est du cuivre, oui, c'est ça. Et pour un premier épisode de 4 heures, je trouve qu'on joue vachement bien. Cuivre et métal. Bah après,
on va pas le dire, le sage, mais on va le dire quand même. Le fait que je connaisse le jeu, ça nous fait bien avancer aussi. Mais bien sûr, c'est pour ça que tu es capitaine et qu'on te le voulait dans cette histoire folle. Que Torota et moi, on va te découvrir intégralement. Et chaque ébord. Les jolies fleurs, si seulement elles pouvaient sentir bon. C'est bizarre, oh mon dieu. Bah, argile, sable, ouais, si, faut récolter un peu tout en fait. Argile, sable et. Moi je suis en train de faire de la ferraille là, parce que je vois rien d'autre autour de moi. J'arrive pas à lui rentrer dedans. Oh ! Ah non, c'est presque. Mais c'est pas encore. Après, c'est toi qui as la hache, Torota ? Oui. Oh, merde. Je reviens sur l'île. Le requin est de retour. Ouais. J'ai vu que le cadavre avait disparu, alors. C'est le drama. Mais il y a toujours ton appât, donc s'il revient vers le bateau, normalement... Du arrow. Si gros, si petit, le arrow. Hop, tiens. Si c'est petit, tu mets sur les trucs qu'on utilise, les planches. Alors, fuck, alors. Voilà. Si je peux pêcher du haddock, j'en veux bien, s'il vous plaît. Alors, s'il y a bien si tu veux la hache, je vais te la donner aussi. C'est des sushis au haddock. Voilà. C'est très rare, les sushis au haddock. Même au Japon, malheureusement, le poisson se fait rare. Il y a un métal là ? Pourquoi il y a un métal ? Sushi au haddock, ça me procure un plaisir. Alors attends, si ça me... Oh, ok, t'es là. Alors tiens, minerai. Ouais, mais il faut la... Il faut que je remette... J'ai du cuivre aussi que je vais pouvoir donner. Ah. J'ai de la ferraille si tu veux aussi. Merde, j'ai pas eu de graines d'ananas. Oh, c'est pas cool. Range dans les coffres, hein, ton retard. Ok. Ouais. Si, mais c'est dans le coffre où je suis les... Non, les minerais. Ah non, c'est dans celui-là. Tac. Et la ferraille, c'est dans celui-là. Hop. Là, les coquillages, oui, effectivement. Les coquillages, hop. J'arrête d'en ramasser. Hein. 7, c'est largement suffisant. Hop. Pas sec, ça. Le capitaine voit peut-être de ma ferraille, j'en ai deux sur moi. Je vais jeter sur le radeau. C'est le petit collé. Dans le coffre. On est autorisé à lever l'ancre, capitaine ? Non, attends. Attends, qu'on vérifie que. On ramasse un maximum d'objets en fait tant qu'on est là. Et moi je compte aller avec la hache tomber tous les arbres de l'île histoire de se faire un max de bois. T'as ramassé le verre ? Oui, et j'ai mis une algue à la place à faire cuire. Ouais, impeccable. Mais il me faut le verre. Vas-y, pose-le dans ce coffre-là, je le récupérerai après. Tac, je le mets là. Plastique. Planche, pierre. Beau, mais tiens. Ah, vilaine mouette. Donuts ! Non ! Je l'ai encore raté. Je suis mauvais en plantage de piaf. Je l'aurai un jour, mon donut. Comment s'appelle ? Attendez, je réfléchis à pas faire de bêtises. En sushi. Non, le piaf, c'est des... Ah ! Pour nuggets de poulet. Nuggets, merci. Mon cerveau commençait à bugger sérieusement là parce que j'étais en train de réfléchir déjà à moyen terme. Oh, qu'est-ce qui cuit là ? Oh, j'ai mis les poissons à cuire. Oh, c'est merveilleux. J'ai pas récupéré le verre après. Ah, t'as retiré des petits barbecues. Non, la plaque de verre, tu l'as posée quelque part, le sage ? Oui. Elle est où ? Elle est là. Regarde, je te la donne. Voilà. Il va falloir que je fasse ça. Tiens, tes nuggets. Oh, merci, monsieur. Merci, capitaine. Voilà, alors ça, on va s'en débarrasser rapidement. Je vais casser les jambes à Torota. Boum, c'est fait. Hey.
Allez. Alors, faut remplir ça. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Et cinq fois. Normalement, c'est tout. Hein. Ouais. Et la pierre crue. Vous remettez plus de planches dans le vieux purificateur d'eau. Ah bon? On va le changer, le modèle au-dessus. Non mais il est là le nouveau, regarde. Il est là. Ah d'accord, avec des bassines, ok. Mais oui, mais regarde, en fait t'as une plaque de verre, donc le soleil tape, ça chauffe l'eau, ça passe sur le verre, ça glisse sur le bassin du dessous. On est déjà écolo, c'est du génie. Bah c'est du génie et puis il y a plus besoin de ressources pour faire fonctionner l'appareil. Donc on n'utilise plus de bois avec ça. Voilà. Oh c'est beau, regardez. Tac. Suite. La ferraille. Ah merci. Oh, l'Espagne n'est pas compliqué. Oulala. Attends, le squal, tu vas voir ce que je vais lui faire. Je l'ai piqué. Est-ce qu'on lèvera l'ancre durant la nuit, capitaine? Hop. Je pense pas. Il est toujours sur ton appât qui est en dessous du bateau. Hein. Il est en dessous de la tête. Là. Bon. Tant que la pas fonctionne, on en profite. Ah, hein, mais ouais. J'ai même pas vu, effectivement. J'étais là. Ah, mais t'avais fini les planches qui étaient dedans avant de retirer le truc d'eau? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Oh, ça se trouve vite, les planches, j'en ai encore 9 sur moi, capitaine. Ouais. Fâché, capitaine. Après, je vais aller couper. Non, non, je suis pas fâché. Okay. Faudrait que tu me fasses fondre 4 de sable. Oui, ah, l'esprit, bien. 4 de sable, c'est où le sable? Non. Le sable, il est. Oui. Je sais pas, je l'ai mis où? Il est là, j'ai normalement, ouais. Cuivre, sable. J'en ai que 3 de sable. Oui, mais je vais aller voir si je peux pas en ramasser un de plus. Je vais t'occuper du bois aussi. Non, tu rigoles, mais du bois on en avait un peu partout. On en a plus que dans le coffre de bois et ça commence à diminuer. Hein. J'ai 9 planches sur moi, capitaine. Ah, le squad est sué. Mais il attaque l'appât, donc chaque fois tu lui mets un coup et puis. On va le bouffer bientôt. On va finir par le boulotter comme il faut. C'est ça que je voulais faire. Ça, il me faut 6 cordes et 10 planches. Ouais. Hop, il n'y a plus rien. C'était une petite île, ça, en fait. C'était pas énorme ce qu'il y avait. Hop, j'ai 8 de bois. Cette histoire de fou. Cette histoire de attends. Tout ce qui est bouffe. Ça. C'est ici. L'île. Voilà. T'avais tombé tous les arbres ou pas? Voilà. Ouais. C'est des grandes plantes. Ah, c'est des grandes plantes, pardon. Après, je le mets avec les autres planches en attendant. Bon, hop, à la flotte. Le barbecue. Il me faut du sable. Du sable. Mais le requin va bouffer la pas là au lieu de me faire chier. J'arrive pas à voir de sable avec le requin qui me court après là. Oula, il y a une houle de fou. Oh, l'encre s'est détachée. On dirait.
Non, elle est toujours attachée. Ah, parce que j'ai vu un truc voler. Je me suis dit, tiens. Ah, oui, si, en fait, oui. L'ancre s'est détachée. C'est le requin qui a dû la bouffer. Oh merde. Vite, revenez sur le navire. On va repartir. Pour le moment, il est coincé contre l'île, donc c'est pas grave. D'accord. Mais le problème, c'est que. C'est que, voilà. Non. La jet est intégrée. On est pas mal. J'ai rigolo, j'ai la main tout. Oh bien, on l'a frappé chacun un coup. Oh, le squal est dans l'île. Il est dans l'île. Ouais, j'ai eu une animation très drôle. C'était le squal des sables, des plages là. Ouais, parce que c'est vrai que par ici, je vois des objets qui flottent. Mais là, je vois du plastique, voilà. Oh merde, je suis tombé. Mais... Hey, attends, mais ah oui, d'accord, c'est petit cercle qui élargit le capitaine, qui élargit le radio. Je dis, mais pourquoi je suis tombé en même temps du radio, moi. On repart, capitaine. On a repris la mer, capitaine. Ah ouais, il est bugué. Non, ah oui, il y a mon mapa qui est resté coincé là-bas. Là-bas, okay. Bah, c'est que là-bas, tant mieux. Bon, ben voilà. Tant pis pour la zone perdue. Mais... Oui, oui. Bon, enfin, c'était que de la pêche. Le capitaine, il a créé un trou. Ou alors c'est la main. Non, c'est là, c'est l'ancre. Saloperie de requin. Là. Oui, il me faut un sable de plus. Donc, un seul. Ouais, il en manque qu'un. J'attends, là le requin il va bouffer la pas. Non, il bouffe pas la pas. Il bouffe la pas, il bouffe pas la pas. Il bouffe pas la pas. Allez, tiens, prends ma lance dans ta tronche. Bon, allez, il bouge là pas. Dis-moi qu'il y a un sable quelque part. Regardez autour du bateau s'il y a des. Oui. S'il y a des planches qui traînent, n'hésite pas à aller les ramasser. Ok. C'est mal barré, capitaine. Je suis désolé. Pas de problème. Ça, c'est quoi? C'est du sable ou c'est pas du sable? Yes, c'est du sable. Mais c'est moi ou le super récolteur d'eau, il récupère le coup quand il flotte? Non. Parce que j'ai l'impression qu'il se remplissait de lui-même. Bonjour, Cocosy. Si. Ça va bien? Si, si. Hop, je vois de la planche, je vais y aller. Ouh. C'est bon, les algues. Joli. Je gère les algues à faire cuire. Et 4 sables. Si tu peux okay. Enfin, les 3 qu'on a et. Ah merde putain j'ai plus de crochet. Je dois pouvoir en refaire un. Ouais, il va falloir que je. Oh oui ça va fort bien pour cuisiner, merci. Je peux faire cuire 3 sables le sage et puis comme ça moi j'en ai récupéré deux, j'en ai récupéré assez pour finir. Ah bah. Ah merde, ça dit. Il a dû finir de bouffer les appâts du coup. Oh, il y a du métal et du cuivre. On peut pas mourir là. Je suis pas sur le bateau. Hein. Oh, pardon, je te fais. Tu vas entendre l'eau pressée. Vas-y, on laisse le capitaine qui s'est dans son merde. Salut, Dragon Sky, merci pour ton follow. Ouais, comment vas-tu? Ouais, capitaine, avant de mourir.
Ouais, si tu veux partir sans moi, vas-y, hein. Je trouverai un autre radeau. Comment vas-tu? Ah, oups, j'avais pas vu ce détail. Il faut que je revienne. J'ai plus de... j'ai soif. Je suis dans l'eau, mais j'ai soif. Ok. Oh oui, ça régale bien. Bon, c'est bon. Ça, c'est bon. Non, ça, on laisse. Hop. Le sage, il est pressé de reprendre la mer. Bah oui. Ah ouais. Ça va bien. Oh, ça va, je te remercie. Hop, on va chercher du sable. J'en ai un. La mouette, le sage. Oui. Ah, oh, mais je suis mort. Merci, le requin. Oh, oh putain. Je sais, je vois où il est. Attends, je bois un coup d'eau pour aller mieux et d'accord, ensuite. Comment c'est pas ça? Tu peux remettre de l'eau de mer dans le truc. Oui, capitaine. Bruce, vous embêtez pas trop. Ah ben si. Ah oui. Allez, le requin, viens là. Je te mets un coup de lance, comme ça. Je récupère Torota et je me barre. Hop, je vais remettre un appât. Non, ça sert à rien, on va se barrer là. Ok, d'accord. Merci. Alors. Hop. Le sable, il était. Putain, on a plus de planches. Ah, le screen. Ah, j'ai plus de lance. La mine a cassé. Mais j'ai plus de planche, moi, pour réparer le navire. Oh oh. Hop. Non. Non, attends. C'est bon. Il y en avait une là-bas, mais. Ah, je l'ai chopé à bout de bras. Ouch. Ouais. Ah, bah c'est bon, c'est vrai. Mais, franchement, il est vraiment bien, ce jeu. Ah, j'adore. J'adore l'ambiance. J'adore, vraiment. Ouais. Si, je sais ce que je vais faire, il faut que je pêche. Hop, on va pêcher, on va ramasser des objets, voilà. Mais si, c'est bon. T'as fait cuire toutes les algues, là? Non, t'en es encore en train d'en faire cuire deux. Oui. Ah, mais... C'est bon, ça suffira. Maintenant, il va falloir faire cuire les algues. On va faire ça. Zut. C'était là. Yes. Attends, je range les... Nickel. Waouh, on a 15 substances visqueuses, capitaine. C'est beau. C'est beau. Voilà. Ah, bien joué ton retard. Je passe les planches. Ça va cuire. Je passe les planches. Oui, effectivement, j'ai besoin de mettre des planches dans toutes les machines. Hop, je me frite avec le requin. Wow. Fais attention, hein, parce que le bateau il s'en va, hein, pendant ce temps. Hein. Ouais. Ah, t'as de la marge normalement, mais. Oh, il y a de belles choses qui arrivent devant, capitaine. Je suis content de vous l'annoncer. Oh, la grosse raie. Oui, il ne vraiment pas. Hein. C'est pas là. Ah, ben c'est bon, le requin il est loin. Il est occupé par la patte. Donc c'est cool. Nice. Très bien géré. Pas de bouffe. On dirait qu'il y a une île devant nous là. Ah, il y a une terre. Hop là, hop là. Oh, le requin qui se débat. Oh, j'entends une mouette. Faut chasser la mouette. Bouge.
Youhou! Il y a une embarcation bizarre là-bas. Oh, ça c'est beau, je vais me récupérer ça. Oui, bien joué. Et j'arrête pas d'avoir le hockey depuis ce matin. Oh. Ah, ben faut. Ouh, trois patates! Alors. Oh, c'est une épave ça. Ah, on dirait... il nous manque. Quelqu'un a un de ferraille sur lui? Oui. Yes! Bougez pas, capitaine. Tenez, capitaine. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tac. Et il me manque ça. Tac. Ouais, c'est une épave. Par contre, il va pas falloir, je crois, qu'on. Il va... faudrait pas qu'on la touche pour qu'elle coule. Mais dès que tu montes dessus, elle coule de toute façon. Ah, ouais, d'accord. Mais il y a des. Je sais pas s'il y a des trucs à récupérer dessus. Il y a un coffre normalement. Bon, ben. L'arrêt n'est pas là. J'attends qu'on se rapproche un peu. Je récupère tout. Et. Je me sacrifie pour la science. Ah bon? Quelle idée? Ouf. Oh, ben tu sais, vu ce qu'il me reste de physique, c'est. Hop, hop. Allez, let's go. Wow, Toruta y va. Quel homme! J'ai changé le coffre pour les planches. Oh, le squall fait son bill. Qu'est-ce que j'en ai fait du reste? Oh, je peux le récup, ça. Ah, oh, il y avait une table. Oh oh, monsieur le squall. Oui. Il y a des tonneaux. Il nous faut surtout du bois là parce qu'on en a presque plus. Mais j'en ai un stack. Ouais, mais comparé à ce qu'on avait avant, c'est rien du tout. Capitaine, j'ai récupéré une pomme de terre crue dans le tonneau. Oh, il fait des graines. Mais pourquoi il monte plus? Tu peux pas faire des graines, il faut juste la planter directement. Oh putain, mon perso n'arrive plus à monter, punaise. T'es mort? Ouais. Enfin, t'es juste à côté là. De... Oh, t'inquiète, j'étais juste à côté de toi de toute façon. J'avais plongé en même temps. Oh, j'arrivais pas à remonter, c'est ouf. Des fois comme c'est chaud. Merci beaucoup, monsieur. Bon, l'eau, on n'a plus de problème. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le... Alors, que je mette ça... Alors, le bois. Que voici. Oh, j'ai trouvé un boulon. Ah bon? Ah, étudie-le sur le... Alors, j'ai boulon, j'ai substance viqueuse. La substance viqueuse, on l'a depuis un moment. Non, le boulon, si tu peux l'étudier, ouais. ça nous arrangera. À défaut d'en péter, hein. Je sais pas ce que ça va nous faire apprendre, mais ça devrait nous faire apprendre des choses. Les boulons font apprendre des choses, c'est mystique ce jeu. Bah en fait t'étudies le boulon et du coup t'apprends à faire des choses avec le boulon. Oh. Et c'est plutôt logique en fait. Il y aurait tout pas une betterave crue dans le tonneau, je vais la planter. Hop. Oh, il nous a appris l'arc. Oh, la hache. Le métal. Le crochet en métal. Les toilettes extérieures. L'objet le plus important dans le jeu. L'appel. Oui, effectivement, je suis d'accord. Oh, le lance-filet. Ça, c'est très très cool. Oh, j'ai baigné là, je l'ai blessé là, le piaf. La lance en métal, c'est très cool aussi. Alors, vous rigolez, mais dans le thème, il faudra que je vous en lise une par épisode. J'ai la chance, et je salue mon cousin qui m'a fait un beau cadeau. J'aime bien les RSI de mer de l'amiral Olivier de Kersauzon. Et faire un de ses bouquins. Et ben, vous rigolez, mais alors... On peut se poser la question, est-ce qu'il fait pas mousser? Il invente parfois des histoires pour vendre le bouquin, je ne sais pas. C'est voilà, parfois c'est tellement surprenant ces récits de mer. Une fois, il a trouvé un îlot, mais un îlot qui faisait quoi, 12 mètres carrés quoi. Et merde, on aurait il y avait des toilettes publiques sur cet îlot. Il y avait juste un truc posé avec des toilettes sèches. Tu pouvais faire escale sur l'îlot pour te soulager proprement.
Il y a des trucs, c'est la folie. Alors, j'ai faim et j'ai soif, là. Ouh là là, je me restaure. Place et planche. Ça c'est là, il faut 6 de plastique et 8 de plus. Ah, c'est bien. Ah merde. Ah, là, il te manque quoi? J'ai de la ferraille. Si tu as besoin de la ferraille. Non, ce qui me manque c'est de la place. Ah oui, ok. Voilà. Hop, je vais mettre la ferraille ici. Ok, nickel. Ah, l'île arrive droit devant. Excellent. N'oubliez pas de remettre de l'eau dans C'est ce que je vais faire, bien joué. Exact, capitaine. Ah, mais là, on en a deux, ce qui veut dire que quand ils ont tous les deux filtrés à fond, on a 10 doses d'eau en réserve. Trop bien. L'eau, on est bon. Oh, maintenant, ouais. c'est on va jouer avec la bouffe, quoi. Alors, vous avez fait cuire 3 patates, vous les en avez plantées au moins? Oui, il y a plein de trucs de planter. Il y a une pomme de terre, 2 betteraves crues. Et la pastèque va pas tarder à mûrir. On pourra planter autre chose. Non, il y a une betterave et 2 patates. Enfin bref, il y a plein de petites choses, capitaine. C'est merveilleux. Du coup, hop. Ouf. Il m'a raté. Juste à côté du requin. Non, dans tes fesses. Enfin, dans tes dents plutôt. Ouais. Il doit plus lui rester grand chose en vie parce que si c'est le même de tout à l'heure, il était déjà bien bien amoché. Elle est pas mal la betterave dessus. Ben voilà, elle est pour moi la betterave. La betterave là. Alors, on a de la pastèque. Là, le manguier, je le tombe. Pas tant de bois que ça avec la hache en pierre. Cette magie de la mer. Les palmiers, ça fait plus de planches que les arbres fruitiers. Oh, l'ananas. Il est mort, le requin. GG, on va manger des steaks. C'est bon, déjà. Allons-y. Faut le faire récolter au sage qu'il apprenne. Hop, j'en ai 3. J'ai laissé une part. Là, il y en a 3. Donc c'est bon. Donc du coup tu t'appuies sur normalement c'est E jusqu'à ce qu'il te donne un morceau de viande et t'arrêtes. Oh les pavés. Ah, le sage, tiens, t'as le requin ici, si tu veux récolter le dernier morceau. Ah d'accord, Rota, merci, je vais apprendre à gérer le squel. Maintenir pour prendre. Tu peux en récolter qu'un seul et tu relâches. Ah merde, j'ai pris la tête d'orquin accidentellement, je suis désolé. Bon, mais c'est pas grave. T'as qu'à la porter, ça prouvera que t'as fait de la merde. Mal, capitaine. Comment la polte? Tu Bizarre. Ton inventaire est... Ah oui, j'ai compris. Ah, il a baie, voilà, il s'est mis le casque requin. Oh mon dieu, j'ai les crocs. Bon bah du coup je vais vite récolter ce qui traîne là en minerai et puis je reviens tout de suite avant que le requin se respawn et m'arrive sur le cul. Je mange une pomme de terre cuite parce qu'il est faim. Je gère les steaks, je suis le cuistot à bol. La 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 la. Il y a une ambiance, c'est la One Piece. Je voyais plus le bateau, je dis ils ont pas quand même levé l'ancre sans moi. Non non, c'est juste quand on est... C'est le capitaine qui gère l'oncle. Et ben voilà, elle est relevée. Capitaine. Alors, un jour, j'ai ramené des pastèques. Des sauces. J'ai ramené des graines de pastèque, des graines d'ananas, de l'ananas, ça. Ah, je suis à fond dedans là, je suis roleplay. Allez. J'adore. Je vais bientôt arrêter là parce qu'il est 1h. Oui, c'est moi aussi je commence à avoir véritablement faim et à 14h je dois faire relais de chaîne. Comme convenu pour l'épisode. Voilà. On va récupérer les quelques caisses qui apparaissent là sous notre. Alors, est-ce que j'arrive à faire ce que je veux avant qu'on s'arrête? Le tonneau.
Ouais, j'attends d'avoir du plastoc. Ouais, j'ai réussi. Alors, avant de s'arrêter, le sage. Enregistrer, d'abord. Non, 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 mais t'enregistreras après. Torota, tiens. Oui, c'est moi, bonjour. Là, là, là. Oui, merci. Oh, bouteille vide. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc la bouteille, vous pouvez la remplir d'eau. Oui, capitaine. D'eau douce, je présume. Oui, oui, oui. Hop là, pile entre les deux, c'est magnifique. Ah, j'ai récupéré un tonneau. Oh, j'ai récupéré de la ferraille dans le tonneau. Alors, le mieux... Ah, le jour se lève. Besoin de rien, vider. Donc moi je garde le gobelet pour avoir de l'eau de mer dedans et je remplis la bouteille d'eau. La bouteille d'eau, 5 doses en fait, c'était pas 3, je sais pas pourquoi j'ai pensé à... C'est énorme. Hop là. Ah mais depuis tout à l'heure j'entends un ventre gargouiller, j'ai dit c'est bizarre. Non, c'est juste moi. Alors attendez, je vais remplir les bacs de fleurs. Ah, bah moi j'ai arrosé ce que... Hop. Mm-hmm. Ça... Attends, ce que je vais faire c'est que... Hop. Je jette l'encre. Ah, parce qu'il y a une mine juste à côté en plus. Ouais bah attends. Je vais la relever plutôt histoire qu'on arrive jusqu'à l'île. Et quand on sera à l'île, je jette les l'encre et puis ça sera le bon moment pour sauvegarder. Et... On explorera la reprise dans 15 jours. Voilà. Non, dans plus de 15 jours. Dans 15 jours. Pendant plusieurs week-ends. Oh mon dieu, c'est horrible. Ah bon, c'est déjà le week-end prochain? Non, c'était le week-end d'après? Oui, c'est le week-end d'après que vous ne verrez pas. Donc le week-end prochain, normalement, on fait du Starbound dans les étoiles. Ah, tu veux faire du Starbound le week-end prochain? Bah, je croyais qu'on alternait. Ah, non, c'est comme tu veux. Enfin, c'est toi le chef, hein, petit Seb. C'est toi qui as la gentillesse de nous organiser. Mais... attends, les deux pins crues. On pourra faire cuire de la bouffe. Hop là. Attendez, mon tour de manger le truc. Voilà. Ouais, quand on aura un troisième truc à cuire, là, je ferai tourner le barbecue. Hop là, on peut lâcher l'encre, je pense. Bah, j'ai un pilon de poulet si tu veux. Oh là là. Hein? Tu veux mettre tes trucs à cuire, le sage? Ah bah oui, je fais mon cuistot, capitaine. Voilà, j'ai lâché l'encre. Hein. Ok, impeccable. On est bon. Vas-y. Oui. En off, je pense que je ferai quelques petites... Ouais. Voilà. Alors... faire des fouilles pour le matos, et puis... peut-être agrandir encore un petit peu le navire. Bah, le navire... Comment dire? On va quand même falloir faire attention à ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, on peut. C'est pas un spoil parce qu'on l'a déjà. Si vous prenez le marteau et que vous faites un clic droit pour voir les constructions, dans les fondations tout en haut, le dernier, c'est les fondations armées. Ah oui, pourquoi? D'accord. Les fondations armées, en fait, ça se met par-dessus une fondation et ça la protège du requin. Donc, plus notre vaisseau sera grand extérieurement, plus il nous en faudra pour protéger le bateau. Ah. Après, okay. Ça se fait, parce que moi j'avais un bateau qui était bien plus grand que celui-là, hein, quand j'ai joué. Mais voilà, il faut réfléchir à la forme qu'on veut lui donner aussi, en quelque sorte. D'accord, ok. Pas partir sur n'importe quoi non plus. Ok. Voilà. Donc, si tu veux... J'adore faire les cuistots. Si tu veux, tu peux... Alors,
je remplis ça, et dès que j'ai rempli, tu peux sauvegarder, et comme ça, ça marche. Ça, ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, quand tu veux. Okay. Tu peux sauvegarder, et comme ça on quittera. Enregistrement. Et je quitte. Messieurs, ce fut un plaisir. Oui, plaisir partagé, merci. Moi j'ai quitté avant de me faire éjecter. Capitaine. Ah mince, j'ai complètement quitté le jeu. Bon, ben je vais directement faire un. Bon, c'est pareil, je vais faire un petit raid rapidement. Il y a de l'eau terrestre sur le radeau de la Petatie. Oh, il y a même des cadres à photos. Oh, oh là là, je vois un pot avec trois roses. Oh. Eh bien, je crois qu'on va faire un raid de ça. J'ai comme ça, oh, on sera parfait. C'est un raid comme ça. Moi, je vais vous mettre les clips à gogo. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit, les gens. Oui, je vais aller manger froid, là, mais je meurs de faim. Ah, c'était cool. Merci, les garçons.